Salam alaikum. Partagez la vidéo. Ibe Ouattara, Mamadou Dao, Denis, Soule Diabo. Marcus le sage, partagez la vidéo. Ismaël, Ladini, Nako, pourquoi j'ai joué ça? On t'a dit que je suis mouton. Il faut jouer balafon. Il était à me renouveler au Bédoquin. Gaou là, c'est niveau là. Partagez la vidéo avant que je commence à parler. Il y a 70 personnes. Je veux voir les 70 partages. Partagez, partagez, partagez. Tout à l'heure, j'ai interpellé Johnny Pacheco. Dieu merci, il est sorti. Il n'avait pas le choix. Il est sorti. Il a défendu son oncle. Quelque part, il n'est pas malhonnête. Voilà. Gabi a acheté une maison pour lui. En tout cas, Gabi a fait beaucoup de choses pour lui. Quand il est sorti, il a dit sa part de vérité. On va l'écouter et on va commenter. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il y a combien de partages? Attendez, je vais voir. Il y a 96 partages. C'est bien, c'est pas mal. Merci à tous. C'est ce que vous payez pour les partages là. Je les mets à la place des jetons. Si vous partagez, moi ma page est protégée. Et on est tranquille. On reste toujours amis. Et on avance. Thank you.
Allô? Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Voilà, ok. D'accord. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Bon. On va décoller. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la grande famille. Je vois déjà un barbier qui dit ici qu'on est en train de faire récupération. Ton barbier là, depuis nous on parle depuis longtemps là. C'est ton barbier, on parle. Fils de pute là, Babouda. Nyamrodo, encore ouais, une récupération génétique. Fils de pute là, Babouda est là. Barbier là. Ta mère con. Qu'on fait récupération. Tu vois le truc même en lève, il y a ni badjouta qui le moko, ouais, qu'on s'est rentré, c'est sorti ici. Soraya qui me salue. Mouton là. Allez, je suis en train de chercher sa vidéo là. Parce que c'est une vidéo où on doit mettre ça au frais. Je vous ai toujours dit que Johnny là, il va se retourner contre vous. Vous l'avez écouté aujourd'hui? Vous avez écouté Johnny Pacheco? Ok. Lui, il ne fait pas longue route avec toi. Tu déconnes là. Il va te mettre à ta place. Alors, donc, Johnny, comme ça, aujourd'hui, il dit qu'il va parler. Donc, ça veut dire quoi? S'il dit qu'il va tout critiquer, ça veut dire que ce que nous, on dit depuis longtemps là. Johnny nous rejoint. Johnny le sait très bien. Qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il le sait très très bien. Johnny Pacheco là, il sait que il est là pour son ventre. Et aujourd'hui, il s'est adressé à Alassane Dramane Ouattara. Johnny s'est adressé à Alassane Dramane Ouattara. Mais comme c'est des gens, et ils pensent qu'ils connaissent tout là. Non, tu ne sais pas parler, mon frère. Il te sait comment là. Tu es bête quand tu parles. Mais ce combat-là, on va mener ensemble. Parce que le grand frère, il ne mérite pas ça. Et le plus grave encore, c'est que c'est au Djéné, le Kabadougou, que Dramane Ouattara est en train de diviser. Ah, Mintadibla, la pion, c'est mon téléphone. Mintadibla, c'est pas problème de quelqu'un. Voilà. Tiens, Marqué. On va venir dire, ouais, Blené, il est sale, il est rentré ici. Ah, lui, il a téléphoné. Allô? Oui, allô? Oui. Walaikum salam. Amina. Amina. Amina Yarabi. Amina Yarabi. Hein? Ah. D'accord. Ok. Là, là, là. Amina, y'a rêvé. Inch'Allah. Amina, y'a rêvé. Ok. Ok. D'accord, c'est compris. À tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai perdu quelqu'un au pays là. Mon ami d'enfance, ami. Donc, vous voyez, Johnny Pacheco, ce qu'il a dit dans sa vidéo, Johnny n'a pas menti. À ma finie fois, Johnny, il sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Johnny, tu vois, c'est comme ça, nous, là, nous, on a mal. Et il y a une différence entre nous, entre toi et nous. Parce que nous, on n'est pas payé. Personne n'a acheté maison pour nous. Nous, là, on ne nous donne rien. Nous, on le fait par amour. Pour la Côte d'Ivoire. Mais toi, ton mangement, tu as vu qu'ils ont mis sable dedans. Les autres là,
Tu veux les attaquer. Mais tu as raison, frère. Il doit bien là, alors. Parce que, il y a une vidéo ici, je vais vous faire écouter. Lui là, il a été hué à l'université de Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Les gens l'ont dit, Bakongo voleur. Jusqu'à présent, l'argent que Bakongo là, a détourné à l'université de Côte d'Ivoire, là, d'Houphouët-Boigny, là, jusqu'à présent, ça joue sur les étudiants en Côte d'Ivoire. Mais, Bakongo aujourd'hui, après ça, Bakongo a été conseiller juridique d'Alassane Ouattara. Bakongo, si c'est Bakongo, mon grand frère, a été conseiller juridique d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, Denis a dit quelque chose qui est important. Vous avez dit qu'il a volé. Mais l'audit là, on doit faire l'audit là partout. Tu commences par toi-même d'abord. Mais Denis a dit dans la vidéo, mais on va commencer par si c'est Bakongo d'abord. Vous allez voir, hein, ça restait un peu. Ils allaient frapper si c'est Bakongo. C'est-à-dire un voleur, son dernier cri. Partagez la vidéo. Son dernier cri. Lui là, c'est-à-dire ils l'ont enlevé là-bas. Il a été le conseiller. Parce qu'André, il ne s'est pas trop volé. Ouattara l'a approché à côté de lui. Il est devenu son conseiller juridique. Un voleur qui devient conseiller juridique. Tiens, Amémile, nous sommes dans quel pays? Donc, je vais vous faire voir la vidéo ici. Écoutez. Je ne sais pas quand il a connu. Voilà. Tout le monde a entendu. Bakongo vole. Betou Kamé. Mais Ouattara l'a enlevé là où il était là, comme il a déjà volé. Il est devenu lui-même son conseiller juridique. Akapo, Akawarsuye, Akataka. Moi, il est mon grand frère. Peut-être même mon oncle. Mais ça a fait de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas. Parce que la loi est passée. Moi, je suis comme juge. C'est-à-dire, la loi, là, c'est moi, je veille sur la loi. Je fais tout pour que la loi soit appliquée et respectée. Mais si Denis vient dire ce que nous, on est en train de dire, et puis dans les dits de Denis, il essaie de, c'est-à-dire, ici, il dit vérité, et après, il se ressaisit, après, il vient encore, et puis il a dit que, ouais, si son garçon, là, si lui vient à Abidjan, allons bon, mon ami. S'il vient à Abidjan, ils n'ont qu'à l'arrêter. Alors sa vidéo fait, je crois, 40, combien de minutes là? On va écouter. C'est-à-dire, si Bakongo voleur, si lui il est au parleur aujourd'hui là, si Bakongo voleur est au parleur aujourd'hui là, Dabi Lassine, qu'est-ce qu'il a fait? Johnny va vous donner les détails. Et puis Johnny, il n'y a pas d'eau, hein? Il faut arrêter de mentir. Que c'est l'occasion qui est là pour montrer aux Ivoiriens que, ouais, que vous avez, que ouais, Diaby a acheté maison pour moi. Qui est con, qui est bête? Tu penses que c'est dans sale drap comme ça là, il va rester dedans pour dire, ouais, même vous avez dit qu'il y a payé maison pour Johnny, c'est faux. Qui va sortir pour dire? Toi, tu peux dire, c'est avec amour que tu es allé au RHDP. Tu peux dire ça? Il est ça qu'on fait, mon Yenne, si ton pas de. Nous tous là, on est vidéomones. On sait ce qui est dedans. On sait ce qui est dans l'affaire des vidéos. Les gens nous courent après. Mais il faut être un homme de dignité, comme nous, comme ça, là, pour ne pas changer de camp. Toi, t'as pas de dignité. Parce que ton tuyau, là, parce que de la manière que tu as parlé aujourd'hui, je t'ai dit, hein, c'est comme à Adjoumani, tu ne serais jamais pardonné au RHDP. Oui, ce que tu as commencé, là, il faut aller jusqu'au bout. Alors, on va écouter Johnny. Il dit, il a choisi une chanson
une belle chanson. On va écouter ensemble. Voilà. Voilà, les salopards. On voit tout ça là, c'est passé, on ne veut pas parler haut. Donc, il voit. La publicité d'abord. Après la publicité, vient l'émotion. Les Français contrôlent toutes les voix. Voilà. C'est pourquoi je n'aime pas mettre mes trucs là ici. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. C'est pourquoi j'aime pas mettre mes vidéos ici là. Tu peux pas avancer. Partagez la vidéo. Je suis en train de chercher tout quoi ici. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer Tony Pacheco. Mais. On va tout ça. Voilà. Il voit tout ça, mais il ne parlait pas parce que lui, il mangeait. Aujourd'hui, là, Johnny, là, c'est quelqu'un, pour moi, là, il a, c'est-à-dire, c'est un insulteur public. Voilà, lui, là, il ne dit rien de bon. Il est né pour mentir. Il est né pour mentir. Donc, on va avancer un peu. On va, voilà, on va l'écouter. Et après, Djokok, tu me dis après, tu me dis après, Amiral, n'oublie pas la vidéo où Johnny dit que lui, il est payé pour salir les gens là. Il est allé chercher la vidéo, ok? Il faut commencer à parler ça. Voilà. Voilà. Ces hommes de peu de foi, ces tas de sable, ces tas de poussière là, faudrait même pas que ça vous ébranle. Voilà. Donc c'est Dieu qui décide. Mm-hmm. Ce que Dieu a prévu pour vous là, mm-hmm. ça va s'établir. Peu importe ces complots là, ce que Dieu a établi pour vous là, ce qu'il a prévu pour vous, ça va s'établir. Bah, c'est comme Guillaume Soro aussi. Ouais. J'aimerais ici vous entretenir. Hier, le tel là, on a appris sur la toile que le DG du fait. En l'occurrence, M. Diaby Lassiné a été débarqué. On l'a limogé. Mmh. Et moi, Johnny Pacheco, j'ai changé ma photo de profil. Mmh. Je vois des gens qui sont rentrés dans tous les sens, mmh. commencer à parler. Je vous dis d'abord, moi, je suis libre de mes idées. Mmh. Et puis, il est parti à Abidjan, à Abidjan. Mmh. Voilà, maintenant, tu es tout fâché là. Tu m'attends à la réponse, puis tu mets une balle dans ma tête. Mmh. Il est parti à Abidjan, demain, à Abidjan. Et puis, il n'y a rien même. Ce qu'il te dit, il te dit. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, asseyez-vous et puis on parle. Partagez la vidéo. Hier, on était sur la toile et on a appris que M. Diaby Lassiné a été conduit. Bon, chers camarades, nous, on sait que le fait, là, ce n'est pas un portefeuille qui est éternel. Mm-hmm. Diaby Lassiné, là, il n'est pas né au fait, il ne va pas mourir au fait. Mais pourquoi ça, on le sait. Mais il est parti comment, là? C'est mm-hmm. de ça qu'on parle. Mm-hmm. Diaby est allé comment? Mm-hmm. Vous avez fait savoir ici, à travers votre mercenaire, Serge Penda. Parce qu'en réalité, c'est lui qu'on a envoyé en amont pour préparer les esprits à accepter le limousin de Diaby Lassiné. Mm-hmm. On n'est pas prenez pas du bain. Voilà, c'est-à-dire qu'on fout tapis dans l'ombre. Comme vous ne pouvez pas vous afficher, vous avez. Il a été. Diaby Saïd Kosabi, quoi, il a mis là, petit bâtard journaliste là. C'est lui qui a été envoyé. Johnny le dit ici. Hein. C'est même chose là, vous avez fait à Guillaume Soro. A bébé, Inch'Allah. A bébé, Aïna Salah Kringre. A bébé, Aïna Salah Kringre. Vous allez tous payer un à un à Pepasara. Allons, on continue. Amenons là-haut. On a envoyé Serge Penda pour faire le sale boulot. Sinon, lui, il travaille au fait. Il a un bureau au fait pour savoir ce qui se passe dans le fait. Non, nous, on n'est pas cons. Donc, vous l'avez envoyé pour préparer les esprits. Mais ces esprits-là, ils ne sont pas préparés. Non. On va parler aujourd'hui. Djabil Lassiné, là, vous ne l'avez pas ramassé dans la rue. Mm-hmm. Voilà, ce n'est pas un truand que vous avez pris dans la rue. Pour le déposer au fait. Si la Côte d'Ivoire peut se targuer aujourd'hui d'un pays pauvre très endetté, que le FMI nous octroie chaque année 500 milliards, c'est qu'on fait le travail
C'est Kabir Racine là. Ok. C'est qui fait ce travail là. Ok. C'est un intellectuel. C'est pas quelqu'un que vous avez ramassé dans la rue. Vous comprenez? Voilà. Donc il a travaillé à l'EFPI. Bon, toi, bon, tu vois, toi tu as mal aujourd'hui. Parce que c'est pour toi, c'est Diaby là qui ont travaillé pour avoir PPTE là. Aujourd'hui là, il est limogé, toi tu as mal. Mais Guillaume Kibafori Soro là a donné sa vie à la rébellion des Draman. Il a même dribblé des balles. Diaby là, lui, il a pris quel risque? Diaby a pris quel risque? Moi, je suis avec lui, hein. On mène le même combat. Mais par ta vidéo là, je vais profiter aujourd'hui. Comme ça vient de toi-même là. C'est pourquoi moi, je prends ta vidéo et je vais commenter. Diaby là, il n'a pas pris de risques. Diaby était caché. Moi, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Peut-être en 2007, je l'ai connu. Mais les Guillaume là, toi tu as mal aujourd'hui. Mais Guillaume sera à donner sa vie. Il est condamné aujourd'hui. Est-ce qu'il y a preuve? Est-ce qu'il y a preuve? Il n'y a pas preuve. Tu vois, c'est comme ça, nous on a mal. Mais vous nous rejoignez. Guillaume Soro, allez Chidama. Quand Chidima, qui est président, Guillaume Soro a dit, ça va se gâter entre vous. Et en politique, une fois il y a doute là, c'est fini. La confiance ne peut plus revenir encore. Ce que tu dis aujourd'hui, au RHDP là, tu ne serais jamais pardonné, frère. Je te dis ça. Boubacar Touré est sorti l'autre jour, il a parlé. Peut-être il y a quoi, il y a deux semaines. Il a fait à Talakou de Diaby Lassiné, le futur cadre du Nord, futur étoile, ou en tout cas toi, le Nord peut compter sur toi. J'ai dit à Boubacar Touré, ceux qui suivent mes vidéos là, ils peuvent témoigner. J'ai dit à Boubacar, tu as mis Diaby Lassiné dans le problème. Et tu as mis Diaby Lassiné, et puis encore, tu as mis Diaby Lassiné dans le problème là. C'était quelque chose qui devrait rester entre vous. Mais quand tu es venu étaler ça, bah, tu ne peux pas venir dire, parler de... Diaby, parce que toi, ça ne vient pas de toi. Toi, tu es téléguidé. Tu n'es pas comme nous. Ça ne vient pas de toi-même. C'est parce qu'ils t'ont parlé. C'est parce qu'ils t'ont parlé que tu as pris. Tu es venu t'asseoir. Tu as dit le nom de Koti. Tu as dit le nom de Diaby Lassiné. Aujourd'hui, le problème, là, c'est entre vous et Koti. Koti et ses gars là-bas. Tu as cité tous les noms. Tous les Ivoiriens qui sont autour d'Alassane Dramane Ouattara, là, tu as cité leurs noms. Tu n'as pas cité le nom de Kandia Camara. Tu n'as pas cité le nom de Bitogo. Bitogo de Burkina Banfora. Tu n'as pas cité le nom de qui encore? Il y a Bitogo. Et puis qui encore? Nyale Kaba. Tu n'as pas cité le nom d'Alassane Ouattara, son petit frère là. Tu n'as pas cité. Mais comment toi, Boubacar Touré, tu peux dire aux gens que Ouattara est ton neveu. Mais son petit frère là n'est pas ton neveu. Même pas, jusqu'à on l'appelle photocopie. Tu viens parler des Odjeneka, tu viens exposer le vieux père. Aujourd'hui, ils l'ont chassé. Bon, lui, là, il voit que dans son article, là, il y a le sable qui est en train de s'approcher. Donc, lui, il sort aujourd'hui pour défendre Diaby Lassiné. Parce que je l'ai interpellé. Moi, je suis comme ça. Oh. Ce que tu envoies là, c'est ça, je prends, je te montre après. Ah, voilà ce que tu as envoyé. Tu as dit, il est ton oncle. Il a un problème aujourd'hui. Sors, tu vas le défendre. Là, tu es sorti. Là, tu as montré aux gens. Une fois que tu n'es pas malhonnête, tu as été reconnaissant envers Diaby Lassiné. Mais ce que tu fais là n'arrangerait pas la situation. Vous allez amplifier encore le problème de Diaby Lassiné. Pas de la manière que tu parles là, Ouattara n'aime pas. Et j'ai un conseil pour toi. Il faut plus faire vidéo après ça là. Faut plus faire vidéo. Faut plus faire vidéo. Et puis, c'est piège. Si tu ne fais pas vidéo, c'est que c'est ton ventre que tu protèges. Mais si tu continues à faire vidéo, c'est que tu rentres dans la vérité. Voici les deux cas. Tu arrêtes de faire la vidéo, tu vas protéger ton intérêt. Inouye. Si tu continues à parler, ça veut dire que tu es dans la vérité. Parce que la musique que tu as jouée là, ben alors, on voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Oh. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui de citer Chris Iapi. De dire le nom de Chris Iapi. Si c'est pas comme parce que lui, il a coupé le pont avec toi. Donc, lui, aujourd'hui, tu le prends pour si c'est, pour Chris Iapi. Johnny, tu sais, moi, mes vidéos, c'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas se lever, prendre ma vidéo pour dire voici ce que tu disais. Parce que moi, je suis dans la vérité.
Moi, Amira Blené, je suis dans la vérité. Je ne veux pas de gauche à droite. Ce que tu dis là, c'est parce que Gaby Lassine, c'est parce que tu as été interpellé que tu es sorti pour parler. Et puis, pour ne pas que les autres t'attaquent, tu es sorti, tu as parlé de Gaby Lassine. Mais en faisant ça là, tu mets Gaby encore dans le problème. Parce que Boubacar Touré a cité le nom de Gaby Lassine et tous les gars là, il n'a pas cité le nom des enfants d'immigrés qui sont dans le gouvernement là, tu vois. Quelque temps après, Gaby a été jeté. Bon, toi aussi tu viens amplifier encore pour dire que non, il y a beaucoup de choses. On dit là, ils n'ont qu'à commencer par Alassane Dramane Ouattara même. Mais toi tu dis tu aimes Alassane Ouattara, non. Dans ta vidéo tu as dit comment tu es venu au RHDP. Dans la vidéo ça là, tu as dit comment toi tu es arrivé au RHDP. C'est Gaby là qui t'a fait venir. Et après, le petit frère de Bon Koulibaly allait te voir. Donc, ils t'ont rien donné. Tellement tu aimes Bon Koulibaly, tu aimes Bon Koulibaly, tu t'es levé comme ça. Ah oui, je vais aller. C'est pas aujourd'hui que tu as connu Bon. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as connu Bon. Bon là, c'est l'ami intime de coup d'étaïs Alassane Dramane Ouattara. Mais toi, tu peux l'aimer comment? Tu vois, le mal que tu as là, c'est ce que nous on a. Donc on est égaux maintenant. Allons. Et son mérite là a été reconnu par Bon Gouabri, père à son âme. Et on lui a même payé son billet d'avion pour aller à la Mecque avec toute sa famille, à cause de son travail. Donc c'est son travail qu'il a envoyé là, hein, pour ne pas ramasser de la rue. Alors, on nous fait croire aujourd'hui que M. Diaby Lassine aurait détenu de l'argent. Il y a eu des audits. Chers camarades. Vous amusez très mal les fumeurs. Là, j'écoutais la chanson, mes larmes ont failli couler. Mais je suis un garçon. Non. Mes larmes n'ont pas coulé. J'ai écouté cette chanson, il m'a mal au cœur. Vous comprenez? Partagez la vidéo. En fait, chasser quelqu'un. Isdia, bonjour. Il y a un adage qui dit, quand tu veux tuer ton chien, tu le traites de rager. Voilà, tu le traites de rager. Il dit, il y a un adage qui dit, quand tu veux tuer ton chien, tu le traites de rager. C'est ce que vous dites à Guillaume Soro qui veut faire coup d'état. Sinon, il n'y a rien. C'est ce que vous dites à Guillaume Soro. Vous faites croire aux gens que Guillaume Soro, là, il veut faire coup d'État. Parce qu'il veut devenir président. Tu vois? C'est la même chose, là. Allez qu'on craigne le bébé Gaby Soro, là, parce que Gaby était bien parti. Ouattara n'aime pas ça. Ouattara n'aime pas. Zasso, Patrick, s'est levé ici à faire protada de Bon Koulibaly. D'Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Ils l'ont tapé sur sa bouche. Ferme ta bouche. Assieds-toi là-bas. Ils ont laissé tomber. Bon est décédé. Ahmed était là. Il n'avait rien. Ouattara a refusé de présenter Ahmed Bakayoko. Donc, tu veux me dire quoi? Que Gaby Lassine, vous allez dire encore que lui, il a été pressé? Gaby Lassine, là. Gaby Lassine est pressé? Est-ce que Gaby Lassine a dit qu'il va faire asseoir Dramane par terre? Mais Gaby Lassine, il est où aujourd'hui? C'est parce que Gaby Lassine, là, il devenait gênant pour Alassane Dramane Ouattara. Sinon, lui-même, là, quand on parle de vol, là, lui-même, il est le premier voleur d'abord. Johnny, on est ensemble. On est Ivoirien. On est Ivoirien, on peut s'attaquer. Mais quand tu es dans la vérité, là, moi, là, je suis avec toi. Allons. Bon, vous avez fait les audits. Vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est un pays transparent, un pays, en tout cas, où il n'y a plus de corruption, etc. Vous on avez. Dit. Oui, parce que là, vous nous demandez, vous voulez travailler, non? Vous voulez quoi? On critique en transparence, non? On va parler à partir d'aujourd'hui. Alors, ce Gaby Lassine, là, voilà. Vous êtes allé faire les audits. Les audits que vous avez fait, là, faites le point. Faites une conférence de presse, présentée au peuple de Côte d'Ivoire, ce que les audits ont montré. Ok. C'est la même chose comme CDVR, là. CDVR ou Bani était le président ou bien le quoi là. CDVR là, Ouattara n'a jamais rendu compte aux Ivoiriens. Le compte rendu de ça là, il n'a jamais montré. Mais toi tu as commencé à sauter ici qu'il est le meilleur président. Mais pourquoi tu demandes aujourd'hui qu'on vient faire le point? Qui va te faire le point? Qui va te faire le point? Ouattara c'est comme ça. Il te met en prison quand il veut. Et puis tu dis, oui, vous avez fait audit. Vous dites qu'il a volé. Ouais, c'est rentré. Attendez, hein. Je vais bloquer Moro là. Vous voyez, souvent, c'est pas bien quand on ne part pas à l'école, non. Voilà, lui, il est bloqué. C'est vous là. Allez, où les va, là.
Oui, c'est rentré. Ouattara là, il veut, c'est dit, tu n'es pas dans un problème de coup d'État, il te prend, il te met en prison. Ceux qui doivent aller en prison là, ils sont en liberté. Mais toi-même, tu dis, ouais, vous dites, et puis c'est bizarre. Tu as dit quelque chose qui est intéressant, tu dis que Gaby Lassiné a fait passation avec son successeur. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il n'y a pas vol. Il y a un autre problème. Gaby devenait gênant pour Tremont Ouattara. Parce que Ouattara même là, il n'a pas fait passation de pouvoir avec Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo voulait brigander le pouvoir. Pourquoi? Parce que Gbagbo voulait brigander le pouvoir. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas avoir de passation. Mais s'il y a passation de pouvoir entre un président qui a été renversé par coup d'État, s'il vient faire passation de pouvoir avec la personne qui l'a renversé, ça veut dire que la personne là, il est légal. C'est comme s'il avait été élu. Mais si Gaby là, c'est pourquoi je vous dis, écoutez, hein, ce qu'il dit là, c'est compliqué. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, si Ouattara, si le successeur de Ouattara là, vient faire passation de Gaby Lassiné là, vient faire passation de pouvoir, de charge ou de pouvoir avec Gaby Lassiné, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Parce qu'un voleur, on le met en prison. Il n'y a pas passation de pouvoir. Ou bien charge. Je comprends. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il ne devrait pas avoir passation entre Gaby Lassiné, le voleur, d'après vous. Parce que pour moi, il n'a jamais volé. Parce que Gaby, il a travaillé. Il a travaillé pour arriver là où il est là. Il a travaillé. Et le plus grave dans ce problème-là, c'est que c'est Odiné qui est divisé comme ça. C'est que c'est Odiné là qui est divisé comme ça. Parce que les supporters, on connaît. C'est un peu partout. Mais nous, les nordistes là, surtout Odineka ou Koyaga, c'est-à-dire te faire remplacer par quelqu'un de ton village. Mais ça là, c'est pas là que tu as mis. Ça là, c'est pas là que tu as mis. Mais pourquoi quand Bakongo, le voleur, a volé là-haut, tu n'as pas mis un Koyaga à sa place? C'est parce que tu sais que Gaby, là, il pèse. Gaby pèse. Voilà pourquoi. Pour casser Gaby, et puis les ministres, quoi, quelque chose, Touré, là, la dame, là, quoi, Nasrin Touré, ou bien quoi, là, elle sait à quoi? Rien. Rien, je vous avais dit. J'ai dit, Ouattara là, il a nommé tout cela, c'est pour mettre Gaby KO. Allez-y, regardez mes vidéos. C'est pour enlever Gaby. Là, Ouattara va s'appuyer sur ça. Et il y a la personne qui a remplacé Gaby Lassiné là. Il va avoir automatiquement le soutien de Nasrin Ba, tous les cadres. Ils vont jeter l'autre là, Gaby Lassiné. Mais ça ne peut pas arranger les choses. Ça là, c'est un combat, c'est-à-dire qui est déclenché comme ça. Partagez la vidéo. On le bénit à directive protégée là. À partager. Oh non, allons Johnny. Ce Gaby Lassiné, voilà tel nombre de milliards qu'on a constaté qui ont manqué. Et par conséquent, Gaby Lassiné, il a démis de ses fonctions. Là, on est d'accord. Montrez-nous le résultat de ces audits. Rien de tout ça. Vous n'avez rien trouvé. Ok. C'est comme le coup d'État de Guillaume là. Sinon, c'est quel DG. On dit, bon, on va t'enlever. On a trouvé. Bon, les gens disent qu'il a volé de l'argent, c'est un voleur. Et puis il est à la maison. Mm-hmm. Il n'est pas à la Maca, ouais. Il est à la maison. Mm-hmm. Il n'est pas arrêté, uh-huh. Il est à la maison. Mm-hmm. C'est quoi ça là? Ah, en tout cas. Quelqu'un que vous dites qu'il vole, uh-huh. Qu'on a enlevé parce qu'il vole, mm-hmm. On a découvert des milliards volés. Mm-hmm. Ses camarades, sa place est où? Mm-hmm. Sa place en prison. Toi là, hier, j'étais ta maman. Hein. J'ai insulté ta maman, Raoul Loba bien là. J'ai insulté ta maman et puis elle était bloquée. Babouda, on vient encore. Agoudo, il est où même? Venez nous dire. Parce que personne n'a dit Gaby, il faut aller. Mais il va comment? Toute la Côte d'Ivoire est à quoi de lui aujourd'hui? Vous voulez saluer même comme ça? Qui a tout donné pour les RGP? Donc aujourd'hui, il sort de la rue. Non, c'est un voleur. Il a volé la du pays. Ah bon? Mais toi, tu passes ton temps ici à dire que Guillaume Soro, après tout ce que Guillaume Soro a donné à Tremont Ouattara là, est-ce que toi, Johnny, là, tu dis pas aujourd'hui qu'il est voleur? Il a cassé la BCAO? Toi, tu dis pas ça? Il est ton voleur. Nyamro de Aladjouo. Toi, tu dis pas ça? Toi, tu dis que Guillaume Soro, là, c'est un voleur. Donc, toi, quand on dit à ton mentor qu'il est voleur, donc là, toi, tu sois, tu es fâché.
Et tu commences à insulter Alassane Ouattara. Tu commences à parler mal. Et tu veux que l'audit là même là, Ouattara n'a qu'à commencer au palais là-bas. Par lui-même d'abord pour aller en bas. Tu penses que nous on est bêtes? Tu penses qu'on est bêtes? Alors, on t'écoute. Vous voulez qu'on parle de ce qu'on fait dans le pays? Vous voulez qu'on parle des voleurs du pays? Donc on va parler. C'est vous qui avez ouvert le bal. Voilà. On parlera des voleurs du pays. Vous comprenez? Mais j'aimerais vous dire, Diaby là, c'est un homme respectable. Ouais. Il a tout donné pour le RHDP là. Il a tout donné. Il a tout donné comme Guillaume Soro. Ça appartient aux Ivoiriens. Ça veut dire que Draman n'a pas le droit d'enlever Diaby là où il est là, parce qu'il n'a pas ramassé Diaby au dehors. Diaby a mérité sa place. Mais ce que Johnny oublie aussi, c'est que Diaby n'est pas né avec ce poste-là. Faut pas avoir mal, parce que Diaby a remplacé quelqu'un. Tu peux dire, la manière dont il est parti là, c'est ce qui te fait mal. Et nous, c'est ce qui nous fait mal, de la manière dont Guillaume Soro est traité aujourd'hui là. C'est ça qui nous fait mal. On est pas nous Diminabi. Voilà pourquoi on dit, Alassane Ouattara là, lui là, il est malhonnête. Alors, Alassane Ouattara, il n'est pas reconnaissant. Ici, dans la diaspora, là, Diaby, là, Diaby a tout donné. Diaby, là, il est venu, moi, en 2015, au moment où tu insultais la maman de Draman Ouattara, là. Moi, j'étais prêt pour Draman. Il paraît que Draman a donné 100 000 euros pour venir battre campagne ici. C'est Bémissien qui avait l'argent. Moro, moi, il ne m'a pas donné. Mais que, ça veut dire, moi, je me suis... Ça veut dire, j'ai pris mon temps. J'ai, même 5 francs, ils ne m'ont pas donné. Diaby, contrairement à Diaby, quand Diaby est venu là, Diaby il a acheté des iPhones, des tablettes. Diaby s'est déplacé, on sait ici là, ça coûte cher. Déplacement des gens. Tu dois dire aux gens, ah, venez. Non, je travaille demain, il faut laisser. Je paye ta journée. Tout ça là, il faut comptabiliser tout ça, ce que Diaby a fait là, avant de venir s'asseoir. Pour dire que c'est un voleur, Diaby n'a jamais volé. Moi, je vous dis ça. Diaby n'a jamais volé. C'est parce que Ouattara a peur de Diaby. Sous le Diaby, moi, je suis éligué. On s'est dit la vérité. Tu as donné, parce que l'argent qu'il a pris, là, il n'a pas cassé banque. Il n'a pas cassé banque. C'est toi-même qui as donné. Et tout ce que j'ai dit là, ce qui tourne dans ma tête là, c'est que Ouattara a envoyé division à Odiené. C'est tout. Draman Ouattara, il a envoyé division à Odiené. Sous le notaire, vous êtes là, Draman Moulonné. C'est les enfants de Nord qui sont à la page. Ah, lui là, c'est un voleur. Ah, lui là, c'est un terroriste. Ah, lui là, il veut me tuer. Ah, lui là, c'est toi, t'es quel genre de personne? C'est tout le monde veut te tuer. Toi, t'es devenu poulet. Chez les vidéos. Donc, c'est Ouattara qui tue aux gens. Tout le monde veut le tuer. Mais pourtant, c'est lui qui tue les gens. Partagez la vidéo. Comment l'argent était géré? Où tu as pris l'assinat à envoyer cet argent-là? Voilà pourquoi vous avez pris les sanctions. Maintenant. L'occasion pour vous était de nous démontrer que M. Diaby l'a signé là. Il a payé une maison pour Johnny Pacheco. Parce qu'il y va de mon honneur aussi. Il y va de mon honneur. Voilà, je vais profiter de te demander. Johnny, dans ce problème d'achat de maison là, tellement tu as parlé, tu dis ouais, c'est l'occasion qui a été donnée aujourd'hui de venir montrer aux gens que ta maison là, que c'est pas Diaby l'a signé qui a acheté là. Tu sais, quand on a commencé l'histoire d'achat de maison là pour toi là, qu'est-ce que tu as fait? J'ai la vidéo ici. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, Johnny, tu as montré ton ordinateur. Ton relevé bancaire là. Tu as montré ça au monde entier. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours les traces. Tu as montré, faut faire une vidéo. Comme de la manière que tu avais fait là. Tu vas montrer. Depuis l'année où tu as montré là. Qu'il y a prélèvement de maison là. Maison que tu as acheté, Nyamrodon, menteur là. Maison que tu as acheté là-bas là. Qu'au prélèvement là, ça vient là. Il faut montrer aux gens. Voilà ça. Depuis 2018, on a commencé à parler de ça non. Donc il faut nous montrer relevé bancaire là. Où les gens t'ont prélevé chaque fois là. Ils t'ont toujours prélevé jusqu'à aujourd'hui là. Fais vidéo, tu vois.
Ibo Loera, sous le Japi, ne peut pas sortir aujourd'hui pour dire non, c'est faux, je n'ai pas payé une maison pour lui. En tout cas, 16 000 euros là, tu as touché ça ici. Quand vous avez fait venir les gens là, quand Japi était là, là, les 16 000 euros là, tu as touché. C'est pas que tu as mangé gros dedans, que tu as mal aujourd'hui. Ibi Bambara Mao, tu refuses de travailler, tu construis Japi la ciné. Hein? Tu construis Japi la ciné. Attendez, hein, je vais le faire voir sa vidéo ici. Alors, il y en a une vidéo hier là. Là, tu vas faire pareil. Là, on va dire non, non, Johnny, il est honnête. Parce qu'il est, il bembrole. Tous tes trucs là, à bébé ou couillant. Moi, je vais me débattre sans former un mot sur là. Je vais me prévenir pas les membrouillants. Peut-être que ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris, comme je ne parle pas bien le français, mais je vais te montrer. Si tu ne connais pas, va là-bas là. En français là, continue. Ça veut dire qu'il faut quitter ici. Il faut aller là-bas. Viens, je vais trouver la vidéo. Là, là, tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Et toi, tu as mal. Hey, Guillaume Soro a trop fait. Hein? Guillaume Soro a fait même. Et puis, c'est ce Gabi Lassiné là qui est venu en France ici. Qui a poussé les gens à insulter Guillaume Soro. Il passait dans les bars. Il passait dans les grains. Il parlait bien d'Alassane Ouattara. Tu n'es pas reconnaissant. Wale Bilet, tu n'es pas reconnaissant. Il mange. Au nom de Dieu, il mange. Tu mélanges tout. Quand tu passes là, on dirait tsunami. Tu gardes tout sous ton passage. Et toi, au moins tu parles de... Au moins toi, tu parles de l'Union du Nord. Ça dit, Ouattara n'a jamais valorisé un nordiste. Pour Guillaume Soro, là, il regrette. Pourquoi il a rendu hommage à Guillaume Soro? Pour Guillaume Soro, là, même nos parents aujourd'hui, là, excusez-moi, c'est pas un jeu, hein. Ata Kuna Ourila, Gabi Lachine aujourd'hui, là, on a Agbenke. Agbena. C'est parce que Aka Diadro Draman, là. Draman, il fait tout. Il tue vos enfants. Il humilie vos enfants. Les imams de Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ils sont devenus aujourd'hui. Le président de Kozim, là, aujourd'hui, là, c'est lui qui est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que lui, là, tu ne peux pas avec lui. Tu ne peux pas. Quelle est la vidéo à Diafokata Timi? Tiens, on va l'écouter ici pendant que je cherche le talon. Mon image, là, il n'est pas de mon honneur. L'honneur de ma femme. Parce que pour le RSDP, je me suis tué sur beaucoup de choses. Pour le RSDP, là, je me suis tué sur beaucoup de choses. Okay. Pendant qu'on appelait à la désobéissance civile, comment le pouvoir tombe là, j'ai laissé mon honneur de côté. J'ai pris mes galons, ma calache, je suis venu m'asseoir ici. J'ai mené ce combat farouche pour vous. Bon, ministre qui sont autour de vous là. Et tu as changé quoi? Quelqu'un a donné sa poitrine. Comment nous, on a donné partout sur Facebook? Vos ministres, écoutez bien. Johnny s'adresse ici à la salle Ouattara direct, dans sa vidéo là. Du début jusqu'à la fin là, il s'adresse à la salle. Il dit, vos ministres qui sont autour de vous là, mais. Quand on dit un président là, il a ses ministres. Donc il parle d'Alassane Ouattara. Mais après, il va essayer de s'arranger derrière. Il parle d'Alassane Ouattara. Ah, moi, allons. Quoi dire, quoi ma crédibilité. Crédit, il est là. C'est nous, matin, midi, soir. On se lève et puis on parle. Pour Alassane Ouattara. Et quand on nous dit ici, lui, vous battez pour vos votes. Ils sont autour de vous là. Voilà. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sont là, c'est pour l'argent. Ils sont payés pour ça, c'est pour l'argent. Quand le président est venu pointer sur la toile, le service de communication du président, ils font quoi? C'est nous, on veut travailler ici. C'est nous, on veut du bénévolat, on veut parler. Bénévolat, c'est ça. Ils sont payés, mais ils font quoi? Le travail pour lequel on est venu là, on est dans le quoi? Ils font passer la toile, on va venir parler. Mais c'est nous ici, ça, nous, on parle. Tout ça, c'est terminé. Vous voulez qu'on critique? On va critiquer. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Vous voulez qu'il y ait la transparence? Il y aura la transparence. Là, je suis très lessivé. J'ai déjà dormi pour me lever à 15h pour repartir au travail dans une autre ville. Mais Tony a dit que non. Ce qui se passe, c'est tellement grave que moi, là, je me dois de venir vous parler. Alors, j'aimerais vous dire, nous, Ivoiriens, ce qu'on veut retenir de M. Diaby, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est un voleur. Moi, je ne veux pas ça. Venez ici, rétablir son honneur. Voilà. Tu dis, toi tu veux pas ça. Ce que les gens disent là, toi tu n'aimes pas ça. Attendez, hein, je veux voir si c'est la vidéo qui est là.
Voilà. Voici la vidéo de Johnny. Johnny. Et Mathieu là, voilà. Johnny, regarde la vidéo là. Voilà. Ce jour-là, quand on a dit que ouais, ils ont acheté une maison pour toi là, c'est comme ça que tu as fait. Et tu as montré. Voilà. Les différentes cartes. Voilà, c'est différentes cartes. Parce qu'il y a tellement de cartes. Voilà. Mais ne vous en faites pas avec ces cartes d'identité, cartes d'assurance, permis de produire. Gaou, là, il faut faire truc là qui était ici, petit bâtard là. Des petits bonus là quand vous partez dans les supermarchés. Tu es obligé d'expliquer tout ça là, villageois. Et puis cartes de santé Union Européenne. Voilà. Donc, il y a tellement de cartes. Voilà. Dieu merci, j'ai retrouvé. Vous voyez. J'ai retrouvé, donc je n'ai pas. Je n'aurai pas. À utiliser mon téléphone sur lequel je m'adresse. Alors, on va retourner. 25 septembre 2019, il faut retenir cette date-là. Il faut retenir cette date. Voilà. Voilà. Après, ils ont mis quoi? Ça, c'est crédit. Hein. Ils ont mis crédit en anglais. Voilà. Document de crédit. Ok. 25 juillet 2019. Suivez ici. Regardez, quand vous voyez moins là, devant, voilà, voilà le 213 000 euros là. Voilà. Mais il y a moins devant. Voilà. 213 000 euros, voilà. Là, comme ça, tu n'as pas dit non, ce que tu as dit en français là, je n'ai pas compris. Comme ça là, il faut rébisser encore. Tu vas venir nous montrer les preuves. Ibena, tu viens nous montrer les preuves. Voilà, depuis 2019 là, je paye maison. Crédit de maison là, je paye. Ici là, tu as eu le courage. Tu nous as montré ici. Il profite, il y a ton vilain doigt, on dirait un doigt bâtard là. Voilà, viens, tu vas nous montrer ça ici. Igama, viens, tu vas nous montrer ici. Alors, amène-nous là, on n'y toi ni fable là, non. Alors. Et puis de lui, non. Diabé, mon vieux aujourd'hui, non. Et puis regardez-moi, je suis étonné. C'est le Diabé que vous parlez comme ça aujourd'hui. C'est des soros que vous parlez comme ça aujourd'hui. Nous aussi là, nous on peut prendre ça. Non, c'est comme ça que vous parlez des soros aujourd'hui. Tu vois? C'est comme ça. Mais la différence entre toi. Et nous là, c'est que nous là, nous, ils n'ont pas payé maison pour nous. Au Tewari Dilanouma, nous on le fait, nous on est dans la vérité. Tu vois, quand tu es parmi les faux là, c'est toujours comme ça. Il y a toujours problème qui vient. Ils accusent les gens de coup d'état, il a volé l'argent. Pourtant, le vrai rebelle même là, c'est Alassane Draman Ouattara. Le grand voleur même là, c'est Alassane Ouattara. Parce que lui là, c'est lui qui a envoyé ton patron, ton mentor là, Diaby là, pour aller faire campagne. Il a voté budget, il a donné, il est parti avec, il allait travailler avec. Mais aujourd'hui, pour se débarrasser de lui, alors il faut le traiter de tous les noms. Hé hey, j'ai toujours dit que tous ceux qui sont avec Draman Ouattara, Draman Mossi, tous ceux qui sont avec lui, hein, en train de mentir, dit Guillaume Soro, il est à bébé, one by one, ça c'est en anglais, kelenkele, ça c'est en malinke, tabou tabou, ça c'est en moré, la langue de Draman. Vous tous là, vous allez payer un à un. C'est pourquoi ils cassent vos maisons à Abidjan. C'est minou, mais, Alassane, qu'on est à Kambo, c'est là, en te à la tournée. Regardez, division que Ouattara a envoyé aujourd'hui à Odjene. Mais c'est grave. C'est au moins le gars, il se bat pour toi. Tu dis rien. C'est toi, tu lui dis, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il finit, tu le traites de voleur. Tu le traites de voleur. Et puis, c'est dans son village. Tu vas chercher son remplaçant. Qu'est-ce que tu vas envoyer dans le village des Odjeneka? Qu'est-ce que tu vas envoyer dans le village des Odjeneka? Partager la vidéo. Hey! Faut que tu aies voulu rien aller. Johnny, toi, ton mal là, c'est nouveau. Nous, on a ça il y a longtemps. Donc, tu vas t'habituer. Et puis, il faut parler moins fort. Sinon, tu pourras plus aller à Abidjan. Hein? Dans Malais, tu faisais Prodada là. Il y a deux mabilles, il y a deux vignons là, quatre à sauver. Si tu fais ça là, il y a des gens là-bas, aïe ni nyamro dingi, aïe ni doutre. On peut ni doutre, tapine là, ils vont couper ça, et puis il faut être bon là. Toi, tu les connais, tu dis dans la vidéo, ouais, mettez-moi une balle dans la tête. Ah, donc, tu es au courant de ça aussi. Mais quand nous on dit là, que Ouattara tu es là, et t'as voilà quoi, oui, allez bien. Hein? Allons. C'est le diable là, c'est là que vous parlez comme ça aujourd'hui. Ah. Les gens vont venir raconter n'importe quoi. Mais si on parle pour ça, le diable. Eh, Dieu merci. Soro a tout donné. On parle comme ça de Soro aujourd'hui. Il m'a dit quoi? Non, il était d'abord, il est venu ici, il n'est pas crédible.
Voilà. C'est qu'il y a un voile, il y a un tigre. Le prière dit ça propre. Lui qui est fâché, le chef de l'Abidjan, faut m'arrêter, on va voir. Arrête-moi et on va voir. Je parlerai à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas se foutre déjà pour ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, Diaby s'en va, ok, on a compris. Il s'en va comment? Diaby a volé quoi? Mais il me le dit. La considération des personnes. Il y a quelqu'un qui me dit, tu partages pose de Soroïs. Hé! Viens partager pose de Satan lui-même s'il vient rétablir la vérité sur Diaby. Vous avez compris? Si Satan vient rétablir la vérité sur Diaby à travers son poste, son compte Facebook, là, je vais partager aujourd'hui, je vais partager demain, et puis je vais partager après demain. Il faut retenir ça. Ah, baby, alors, nous, on n'est pas contents. Nous, on n'est pas contents. Parce que quand on veut parler de transparence, nous, on n'est pas contents. Nous aussi, là, il y a longtemps, nous, on n'est pas contents. Johnny, il y a longtemps, nous, on n'est pas contents. Mais Johnny, moi, je te préfère vivant. Cela, parce que tu avais essayé de mentir sur Cissé Bakongo. On a tapé sur ta bouche, Ikatoi. Maintenant, là, tu es rentré dans autre chose. Ne pense pas que tu es là. Hein. Et puis, tellement tu as grossi le cœur, tu dis ceux qui t'ont agressé, là, que c'est le RHD, que c'est le RDE. Parce que les gens sont allés commenter. Tu as commencé à parler. Johnny, l'argent qu'ils t'ont donné, là, Diaby, là, l'argent qu'il pouvait te donner avant, là, parce qu'il était toujours le big boss du fer, ben, il ne va plus te donner ça encore. Donc, là, là, ceux qui sont à côté de Ouattara, là, qui ont pompé Ouattara, là, et puis il a chassé ton mentor, Diaby Lassine, là, ceux-là, ils sont puissants, hein. C'est les enfants d'immigrés. Ouattara, même, il est immigré. C'est les enfants d'immigrés qui sont autour d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, ceux-là, ils vont te bloquer. Même l'eau, tu ne vas pas avoir pour boire. Dis, ils te lanceront qu'à mi. Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je ne suis pas comme les autres, et les autres aussi ne sont pas comme moi. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'un homme d'État, tu dois garder toujours les secrets. C'est bon. La centrale, la gare de Patobus, comme vous a laissé là, un matin, nous a dit que ça a disparu dans l'eau. La centrale, la gare de Patobus, a été immergée dans l'eau. On se réveille le lendemain, il y a une autre gare à l'horizon qui se charge aujourd'hui de transporter les Ivoiriens. J'ai écouté, mais je n'ai pas bien compris. Là, ce qu'il a dit, là, il a codé. Mais je vais décoder ça pour vous. Écoutez bien. Je vous pose question d'abord. C'est quelle société qui est en concurrence aujourd'hui avec Sotra en Côte d'Ivoire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Moi, ça fait longtemps que je suis en France. Je ne connais pas les programmes du pays, moi. Donc, aidez-moi. C'est quelle société qui est en concurrence aujourd'hui avec Sotra? Écrivez et puis mettez le nom du propriétaire là, de société qui est en concurrence aujourd'hui avec Sotra. Ah, Fonyene. Ah, là-bas. Écrivez. Ah, Kalakoso. Arrêtez de dire bonjour, bonsoir. Écrivez. Parce que moi, je parle. Quand je me perds comme ça, là, je vous demande. Ah, bah, là-bas. Djoko, va sur Google. Salut, Nathalie. Les étrangers, là, quand tu dis net, là, qu'ils sont enfants d'immigrés, là, ils ont mal comme ça. Pourtant, ce n'est pas injuste. Ce n'est pas condamné par la loi. Enfants d'immigrés, là, ce n'est pas condamné. Mais qui est là, quand il est immigré, là, moi, il n'a qu'à vous appeler comment? Ah, si tu es immigré, ton papa a quitté poussière dans le pays de. C'est-à-dire, pays poussiéreux, là. Pays désertique, là, venez à côté de la mer en Côte d'Ivoire. Mais quand on t'appelle, il faut accepter. Et Dieu t'a canu l'homme à confier. Épingler ceux qui écrivent ou partager. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui me dit d'épingler ceux qui disent partager. Je ne sais pas ça sert à quoi, mais bon. Je ne sais pas si c'est bon ou bien si c'est pas bon. Pour le moment, j'attends. Ça, salut. Balou, merci. Kouadra, c'est capitaine de. Bon. Voilà, bon, allons. Comme vous n'avez pas trouvé, on va avancer. Et il va dire, je vais commenter, ok? Alors, partagez. J'ai partagé aujourd'hui, j'ai partagé demain, et puis j'ai partagé après. Voilà, merci beaucoup. Il faut retenir ça. Ouais, alors, attendez. Nous, on n'est pas content.
Bernard dit c'est pour Adama Bitogo. Ok. Écoutez. Là, tu parles d'Adama Bitogo. Petit. Immigré. Quand il est patron là, il faut le respecter. Denis, où tu es parti là? Wale Ateni Toeni. Mais ta chance, comme tu es déjà venu ici là, ils vont te blaguer. Ils vont faire un arrangement. Non, bon, c'est vrai, tu étais fâché. C'est rentré. Eh, même il y a des gens, même au RSDP là, ils veulent pas que je parle de ça. Ils veulent que je laisse tomber Gabi. Maintenant, toi, j'ai jamais bouffé Moro de Gabi. C'est-à-dire, ça met dans ma main comme ça là. Tiens l'argent là, j'ai jamais mangé. Peut-être il est passé par quelqu'un. C'est pourquoi quand je vois les vidéos man RHDB là, ah tiens Modia, ah tiens Modia, vous venez vous asseoir, vous pleurez pour 100 euros. Mais moi RHDP là, c'est à partir de 1000 euros. Ah, on dit tiens, bon, tiens, faut boire l'eau avec ça là, c'est 1000 euros on me donne. Le RHDP n'est pas reconnaissant. Le RHDP n'est pas reconnaissant. Ouattara même là, on a qu'à laisser RHDP, c'est Ouattara même qui n'est pas reconnaissant. Mais pourquoi tu vas aller mettre le feu à Odéné? Hein? Pourquoi tu vas mettre feu à Odéné? Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Le village de ta maman. On a vu si c'est pas Congo ici. Les étudiants là, l'ont poursuivi à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bakongo voleur. Et puis les voleurs. Bakongo voleur. Bakongo voleur. Akaofo. Mais aujourd'hui là, il est encore au palais. Bakongo là, il est encore au palais. Partagez la vidéo. Bakongo, il est encore au palais. Bakongo, ben, palais là. Alibi. Son. Lui, il est encore là-bas. Mais c'est Gabi là. On peut expliquer pour Gabi. Gabi là, on peut expliquer pour lui. Lui, peut dire, ah, j'ai fait campagne. Parce que se déplacer en Europe ici là, c'est cher. C'est vrai, c'est pas les 100 milliards là qui sont rentrés dedans. Mais vous là, vous avez volé plus que Gabi la Chine. Ouattara même là, ça dit son Danyao, il n'y a pas plus volé que lui. Sinon, quand on est présent, là, on devient joli. Mais quand il est à Ouattara aujourd'hui, ça dit tu es dépassé. Il vole à Béchouéli Kenyama. Ça dit à la crainte les calons. Il vole André, un voleur. Ouais, c'est ça. À Béchouéli Kenyama. Allez, là. Et c'est toi, Johnny, tu vas venir attaquer Bitogo. Hé, hey, petit, c'est que tu es en train de mettre ton patron dans le problème. Salut mon vieux père ici. Présentons au plateau et transmis, présentons à Botoumé, etc. Et ça, c'est une gare privée. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Mais je vais vous parler en toute politesse, dans la discipline. Mais je vais vous dire la vérité. Vous comprenez? Vous allez venir parler de. Johnny n'a jamais parlé de discipline. C'est-à-dire, son arrière là, son après là, il est en train de le protéger. Dans le respect et dans la discipline. Johnny, toi, tu ne suis pas moi de qui? Si tu as peur de qui? Je vais vous parler, donc tu te réserves un peu, tu te fais une place pour pouvoir te pardonner. Je vais vous parler, mais dans le respect. Toi, tu respectes quelqu'un, Bouddha. Toi là, toi tu respectes quelqu'un? Hein? Toi tu respectes quelqu'un? Quoi, ouais? Je vais vous parler. Eh, hey, mon frère, Ibi Rekarama, Gionia, Abba, il est au courant de lui-même. Il est au courant de lui-même. Il est au courant de lui. Kakami, salut. Gabi a volé quoi? Venez nous dire, c'est que Gabi a volé. Parce qu'il s'en va, mais son nom était trop sali. Ah, et Guillaume. Puis, confidence, parce que vous ne savez pas. Ah, Guillaume Soro aussi, de, son nom était. C'est-à-dire, ils ont mis le nom de Guillaume Soro dans la boue, mais c'est nous, on a enlevé dedans. C'est que toi, tu dis aujourd'hui, là. Guillaume Soro, il est dans ça il y a longtemps. Mais ce qu'ils ont payé pour toi, là, pour salir Guillaume Soro, là, il est dans saliment, là, il y a longtemps. Dieu a envoyé des nettoyeurs. Et c'est, vous vous rappelez de mon nom, Ntokula, Ntokula Mfobin. Namramani, je m'appelle Namramani. Hein? Si c'est pas nous là, Guillaume Soro là, mais ça dit, vous avez tout fait ici, jusqu'à aller payer Johnny. Et puis là, il pense que c'est Johnny là, lui, il peut faire quelque chose à Soro. Hé, hey, attesse. Non, attesse. Akadro. Allons. C'est à cause des deux là que moi je suis dans ton RACP.
monsieur, il est trop armé. Et je peux dire que moi, Tony, je suis le plus gros perdant avec sa disparition. Moi, Tony Pacheco. Il dit le voilà, ce monsieur-là était prêt pour lui. Le premier à avoir vendu le produit con sur Facebook ici-là. C'est moi, Tony Pacheco. Ah. C'est pas quelqu'un. Les jambes qui étaient là, c'est pas lui. Voilà, les derrière ma cuillère. Pourquoi est parti, ça me fait très mal. Ah. Parce que quand il était là, là, ça, là, on n'allait pas voir ça, là. Ah, d'accord. On n'allait jamais voir ça, là. Ah. Si Bon était là, là, ils allaient jamais chasser Dabu Lassine et son mentor. Donc ça veut dire que si la rébellion était encore là, là, Ouattara n'allait jamais chasser Guillaume Soro. Si Bon était là, ils allaient jamais faire ça là, à Dabu Lassine. Mais s'il y avait encore la rébellion, que Gbagbo était encore au pouvoir, jamais toi tu allais, ils allaient toi t'acheter, venir acheter Guillaume Soro. Jamais ils allaient payer les imbéciles, les favros là, venir insulter Guillaume Soro. Tu vois que ça fait mal. Tu vois. Et le malheur de Guillaume Soro là s'appelle Amadou Bon Koulibaly et Ahmed Bakayoko. Mais quoi là, tu vois demain quoi. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ne bande ta foi, piaf, et puis je suis assis. Mets ta foi, piaf, et puis je suis assis. Lui qui dit à part son là, je vais bloquer son là, tu vas aller écouter dans, ça dit dans Petou à ta maman là. Il y a maintenant. Tu vas aller écouter ça dans tout de ta maman là. Nyamro doit aller, tu es bloqué même. Pas bien la vilain là. Quand Diaby est allé, moi, Tony Pacheco m'a appelé. Écoutez. Ben, il m'a appelé pour me dire, viens avec nous à la ZP. C'est Diaby qui m'envoie ici. Ah. C'est pas quelqu'un. Ah. On est allé en Allemagne, appelé. On s'est vu appelé. Oui, vous comprenez. Quand la fin notre rencontre à Pelé. Ça va sortir. Diaby l'a signé. Il a rendu compte à con. Moi, ne croyez pas. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Que c'est Diaby qui a appelé. C'est à cause de Diaby là. Ça dit Diaby l'a appelé. Lui, Tony. Donc il va t'appeler comme ça. De manière tu étais dangereux dans les réseaux là. Même tu as donné trois balles. Siriki là. Quand Siriki t'a écrit là, tu as publié ça. Parce que lui, t'a pas proposé l'argent. Siriki. Mais quand Diaby t'a appelé là. Ça dit, tu as eu même à échanger avec Bon Koulibaly. Tout ça, il a envoyé son petit frère aller te voir. Et quitter Abidjan. Venez te voir. Combien ils t'ont donné. Et puis, tu dis un truc par rapport à ta maison là. Oui, on peut pas faire virement 200 000 euros à quelqu'un. Hé! Nous tous là, on touche l'argent ici. Warbe Bossokana, on sait comment ça vient ici. Et puis ici là, tu veux payer une maison là, en espèces là. Il y a des sociétés là, ils ne vont pas accepter. Mais il y a d'autres là, ils vont accepter. Ça, c'est la France. Vicky, salut. Ça, c'est la France. Il y a des sociétés qui vont accepter. Mais il y a d'autres là, ils ne vont pas accepter. Mais dans la brousse où toi, tu vis là, où tu vois les chalumeaux passer là, là-bas là, il y a quelle loi là-bas? Chez toi là-bas là, il y a quelle loi? Yeni Djoutaki, bon, tu fais quel travail? Tout le temps, tu es à Abidjan. Tu payes ta maison comment? Ou bien tu as entreprise là-bas? Nyamwa d'un bâtard, petit bâtard chien là. Un petit chien bâtard. Imbécile là. Partagez la vidéo. Amenons-en. Le premier ministre, on ne croyait pas. Vous comprenez? Il a envoyé son propre petit frère. Voilà. Ici. Voilà. Pour venir me voir. Son propre petit frère. Voilà. Il est venu en Ferrand ici pour venir me voir. Voilà. Tout ça à la cause de Guillaume Soro. Lui a dit qu'il invite Tony Pacheco. Vous comprenez? Mais c'est pour vous dire que ce que vous êtes dedans aujourd'hui là, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Même là, je viens être neutre. Voilà. C'est-à-dire. Je suis plus pro Ouattara, je suis pas pro Gbagbo, je suis pas pro Pétier, je suis pro personne. Je vous allume vous tous à l'état. On vous fait la transparence. On va aller dans la transparence. Ah, dans la transparence. On va aller dans cette transparence-là. Parce que toi, c'est. Je pèque. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui et je ne serai pas d'accord demain. Ah. Depuis le signe à trop donné. Vous savez ce qu'elle représente la diaspora. Ah ouais, salut. La diaspora, là. Bamba, maître. Vous pensez que c'est vos élections. Ouattara, il n'y a pas vos élections en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. C'est qui regarde, là. C'est la diaspora. Mais si la diaspora t'a validé là, c'est la communauté internationale qui t'a validé. Ok, t'es un petit barbier, t'es un menteur. Voilà. Hé! En 2010 ici là, vote ici là, on a fait Palab ici. Ça a été annulé. Draman, Amaka président, yawa. Tu veux défendre ton menteur, défends-le. Voici des gens, c'est Pekenyo qui ont fait prison ici pour vous. Pour le RDR, Taliban Choko a fait prison. Pour vous ici là, et la vie là. Johnny aujourd'hui là. C'est-à-dire Bon Koulibaly n'a jamais envoyé quelqu'un venir voir ce Pekenyo. Bon Koulibaly n'a jamais envoyé quelqu'un venir voir le Choco. Mais vous voulez qu'on parle vraiment? Ce Pekenyo, un moment là, il est ici. Un moment, il parlait mal de Guillaume Soro. Mais au moment, ils étaient en prison là. Est-ce que vous n'avez pas reçu quelque chose de Guillaume Soro?
au nom du RHDP. Mais vous tous là, vous êtes mis ici, en train d'insulter Guillaume Soro. Mais vous tous, je veux que toi aussi tu vas payer. Ama Bambao, tu vas payer, vous allez tous payer. C'est un peu, non? C'est que bébé toi a dit là, Guillaume Soro a dit là, c'est ça on voit là. Ça va s'exploser un jour, bouillé. Et vous n'allez rien comprendre dedans. Attends, foi, il y a là. Foi! Des gens ont fait, les gens ont fait prison ici. Kakasso, ils ont fait prison ici. Et la ville, c'est vrai. Taliban, je crois, insulter la maman de Guillaume Soro. À cause de ça, là, lui et moi, là, je ne parle même plus avec lui-même. Mais il sait ce qu'il a fait pour lui. Donc, si je comprends bien, les injures que Denis Pacheco faisait à Guillaume Soro, là, donc c'est Bon Koulibaly qui était à la base. Parce que ce n'était pas le gars d'Ahmed Bakayoko. Les injures que Denis Pacheco, les mensonges qu'il disait là. Donc, ça venait du Bon Koulibaly. Hein? Ça venait du Bon Koulibaly. Qui a attaché à l'agna. Mais Inch'Allah, vous allez payer. Au nom de Dieu, vous allez. Bah, j'ai dit ça dans mes vidéos, non? J'ai dit, tous ceux qui sont en train de parler, c'est-à-dire pomper les gens pour insulter Guillaume Soro, là, vous tous là, vous allez payer un jour. À peu près ça là. Hey! Et puis vous savez quoi, comment il paye? Namo ya bochi, Abidjan. Il va y aller, là, il a beau tromper les bêtis là. Hey! Watranga, il a dit Massa. Hey, Watranga. Adéon Salah, Watra. C'est rentré, ça dit, si c'est pas vous là qui nous insultez. Mais ça, c'est échantillon, ce qu'il est en train de vous montrer là. C'est le nom maintenant même là. Pendant qu'il est en train de dire que les enfants du Nord n'ont qu'à se mettre ensemble pour diviser encore à nouveau la Côte d'Ivoire, il vient encore diviser au Djéné. Hey! Les Djénéka là, peut-être ils vont avoir honte de le dire. Sinon, ça envoie une division là-bas. Parce que moi, mon petit frère, là, tu ne peux pas m'enlever. Ça veut dire d'une manière humiliante et positionner mon petit frère. Et tu penses que moi, je vais avaler ça quand c'est... Jamais à Téké. Fallait mettre un baoulé. Et Patrick Achille, lui, il vole. Lui, c'est un voleur. Pourquoi tu ne l'enlèves pas? Hein? Bon, il y a quelqu'un qui veut que je le bloque. Il a pu venir ici. Il a mobilisé toute la diaspora. Ok. Malgré qu'il y avait le Covid, ils ont pu faire, ils ont fait en sorte que les Ivoiriens de la diaspora sortent pour aller voter. Et ça, c'est pas le premier. Il y a eu la place de la République. Hier, j'ai publié la vidéo. Après la place, avant la place de la République, on a eu Montreuil. C'était déjà bien fait là. Passagez la vidéo, s'il vous plaît. Et nous, là, quand on rentrait au RHDP, les militants grognaient. Les gens partaient. Ils ne voulaient même plus entendre parler de ce parti-là. Comment Johnny est rentré au RHDP? Il ment. C'est Djabi qui est venu. Il dit c'est lui qui est venu. Il a remobilisé les gens. Il a appelé tout le monde. Bon, regardez, tu dis que tu as mobilisé les gens ici, que le RHDP était fini. Mais faut nous expliquer, les 13 personnes que toi tu as fait à Guinwa là, tu sens mobiliser les gens. Mais pourquoi tu as fait 13 personnes à Guinwa? Dans ton village même. Pourquoi tu as fait 13 personnes là-bas? Nyamrodon, petit bâtard là. Tu es malade? Quoi, ouais, le RHDP c'était fini. Vous voyez? Agatonda, mais il ne va pas vous louper. Oh. C'est le mieux pour vous là. C'est de dire à vos vidomans à la con là. Les salonniers, les imbéciles là, qui sont versés en France ici, qui se font vidéoman là. Dites-leur de la boucler. Si vous voulez rester dans le respect de Johnny là, ils n'ont qu'à boucler. Lui qui va sortir parler mal de Johnny là. Hé! Hey! Johnny là, il a attrapé votre testicule comme ça. Capron mreke là, comme ça là. Kaketa. C'est-à-dire, il a fait comme ça là, Johnny. Après cri va brotaler. Après cri va brotaler. A capron mreke. Vos testicules là, il va tirer dessus. Si vos gars là sont pour l'attaquer là, il ne va pas vous laisser. Et puis vous là, quand j'ai dit après Kriba Brun, ça veut dire que vos enregistrements là, c'est Johnny qui a appris aux gens comment il faut enregistrer les gens. C'est Johnny. Agamewa. Donc attendez ce qu'a fait Eka là. Si vous ne voulez pas que ça se gâte là, laissez Johnny en paix. Sinon, Johnny était dans le vrai combat quand il était avec Babou. Mais s'il a laissé Babou là, vous pensez que c'est vous. Manga Fanyen, non? Il ne va pas vous laisser. Nakatoué. Ni si vous laisse là. Gréa Bongou là. Vous n'avez qu'à faire sortir vos petits bâtards là, ils vont venir dire, oui, venez comme ça, et ils ne savent pas faire vidéo. C'est eux là, quand ils lancent vidéo là, ils sont assis, ils donnent leur numéro, souvent eux-mêmes ils appellent, hein, tu veux intervenir, mais nous on ne fait pas ça. Nous les vrais vidéomans là, nous on ne fait pas ça. Nous on ne fait pas ça, on vient s'asseoir, et puis on babou, et puis on met Ragnan, on fait, petit bâtard là.
Allons. Assoumis autour de vos idéaux. Vous comprenez? Donc j'aimerais dire, si c'est comme ça, on doit les récompenser. Si c'est comme ça, on doit les remercier. Salut, bras. Olivier. C'est même pas la peine. En tout cas, je le dis aujourd'hui, c'est pas la peine. Voilà. Vous avez fait les audits, présentez aux Ivoiriens le résultat. Voilà. Les audits. C'est ça. Bien volé. Voilà, Ivoirien l'a volé. Mais on nous dit rien. Et on assiste même à une passation de charges. Voilà. Un voleur qui fait passation de charges avec celui qui a le remplacé. Vous avez déjà vu ça? On a déjà vu. Et puis il fait passation de charges avec quelqu'un qui a le remplacé. Soyons sérieux. Ah, c'est trop doux. Chers camarades, c'est pour un parti politique bête. À tous ceux qui parlent sur Facebook que Tony a reçu l'argent, Tony a payé. Ils ont payé sa maison là. Venez montrer. Ma maison qu'ils ont payée là, venez montrer. Et puis on va avancer. Parce que moi, quand il va à Pidjan, on dit Djabé a payé. Maison au quartier millionnaire. Voilà, ça là, toi, il faut faire ça là aussi. Quartier millionnaire. Si Johnny Pacheco là, il vit avec vous ici quand il vient. Mais on a constaté que Johnny Pacheco, quand il vient à Pidjan là, il doit où? C'est la résidence meublée. Il doit dans la résidence meublée. Salut François. C'est ses propres moyens. Mais malgré ça, on insulte Djabé. Mais pour l'honneur, l'image du parti, je me tais. Parce que je me dis que ce n'est pas moi qui ai tiré sur l'ambulance. Si elle vient et sort pour parler, les opposants ont fait la récupération. Et ça part à ça. En tout cas, ça me sert. Même si tu ne fais plus vidéo, ça là, c'est suffisant. Ici, la résidence meublée. Vois-tu que je conduis là. Je loue ça. C'est le frère de mon ami qui me fait louer cette voiture là. Parce que lui, il fait le commerce de voiture. C'est lui qui me fait louer la voiture. Et vous parlez, non, Tony est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Demandez Kravogo, là, du Fofana. Venez nous démontrer que tu as bien payé mes hommes pour moi. Yaku. Tout le monde devant le gouvernement là, quelqu'un peut avoir 130 000 euros et 200 000 euros qui est ici. Devant le gouvernement là, quelqu'un peut faire transfert 200 000 euros, même le président. Avec elle. Bon, je vais allonger un peu. Parmi vos cadres là, ils n'ont pas de compte bancaire ici. Bon, même s'ils ont ça ici, ils ne travaillent pas ici. Mais parmi ceux-là, qui n'a pas maison ici en France? Comment ils se sont arrangés pour acheter? Parmi ceux-là, vous tous là, et tous ils ont maison ici. De la manière ils ont pris l'argent là, venir payer leur maison ici là. C'est comme ça pour toi là, ils t'ont envoyé. Alors, tu prends les gens pour des moutons quoi. Hein? Est-ce que vous-même vous pouvez envoyer l'argent ici? Est-ce que vous-même vous pouvez envoyer l'argent? Hé! Toi, il y a moins de bâtards. Hé! Envoyez l'argent ici là pour que tu payes une maison là, c'est facile mon frère. Finlande là, c'est un pays voyou. C'est pourquoi tu as choisi là-bas. Toi tu ne peux pas vivre en France ici. Volcano salut. Toi tu ne peux pas vivre ici. Bras cassé là. Toi, il est. Toi tu travailles. Enfoiré va. Salopard de merde. Allons, même ni ma vidéo aurait été tournée, ni ma nougbo. Initié. Vous allez passer dans quel aéroport de 100 000 euros? Johnny Pacheco, quand tout le Mamadou là, il n'avait pas maison ici. En 2010 là, peut-être il était hébergé même par les gens. Aujourd'hui là, il a maison. Ton Kanja Camara là, elle n'avait pas maison ici. Merci beaucoup, Clarisse. Ton Kanja Camara là, n'avait pas maison ici. Tous ceux-là ont maison ici. Comment ils ont acheté? L'argent là, ils ont mis dans quoi? Pour venir acheter ici. Est-ce qu'ils ont fiche de paie ici? Hein? Est-ce qu'ils ont fiche de paie ici? Ti Gouta qui bon un petit bâtard là. En tout cas, je te remercie. On est dans le même combat, hein, mais je fais ça pour te. Voilà, pareil, quand tu mens comme ça là, je n'aime pas. Allons. Vous avez vu ça là? Et puis la banque va valider ça. Elle va valider ça. Et puis moi, Johnny est venu payer mes sons. Vous avez vu ça là où? On suppose même que d'après vous, Djabé m'a donné ça dans ma mallette. Mallette est passée à la mallette où? Ou bien la mallette est passée dans l'eau. Et puis elle s'est arrivée à faire la pardon là. Bon, même si c'est passé dans l'eau, qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire dans la mallette? Bon, pour payer la maison là, faut aller blanchir l'argent. Faut aller faire un investissement dans ton compte. Vous avez déjà vu un noir se présenter à la banque et 200 000 euros. Non, ici là, il y a garantie. Tu peux avoir l'argent espèce. Si quelqu'un est garanti là, surtout de la manière Djabé Lassine est au pays là, c'est pas un voyou. Djabé Lassine là, il est diplomate. Djabé Lassine, il est directeur du fer. Tu penses que lui va aller dire, bon, je vais acheter une maison
pour Johnny Pachikou et voilà, et je sais pas comment faire, j'ai de l'espèce. Oh, elle m'a dit non, 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 faut quitter, il dit, ben, petit bâtard là, il t'a mort le boyan, n'y a mort de on, bac n'a là. Et ni l'homme, m'a mort de voilà, mort de quoi, allons! Excusez-moi, c'est un banquier, je suis venu faire un versement de 200 000 euros. C'est ce lieu-là. Donc, il prend les gens. Moi, je vais à base. Vous avez contribué à saluer le monsieur. Et moi, Johnny Pachikou, j'ai dit que c'est comment on appelle ça, ce chapitre-là. Il ne va pas rester comme ça. Non, 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 non. Vous allez nous expliquer en fond et en large, dans le détail, dans le moindre détail, ce qui s'est passé. Et puis, tu as vu la signe de la ça, c'est qui ça? Voilà. La seule question est dit, oui, Johnny, il faut te calmer. Le président Ouattara, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Victoire Oiseau. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, sur la toile. Il dit, président Ouattara, il dit, il s'en fout de ça. Je m'en fous. Est-ce que nous, on n'est pas mieux que lui aujourd'hui? Est-ce que nous, là, on n'est pas mieux que Mourola? Hein? Non, ni Mramraka, voilà, qui baille Guéla. Tu as vu comme était un voleur. Sur la toile, dans la tête des gens, tu as vu un voleur du pays. Ah, c'est je... en réalité. Quoi, Guillaume, je le pays, on le connaît. Ah. On le connaît bien. Et. Les voleurs, ils disent. Voilà. Quand tu vas chez lui. Voilà, écoutez. Lui, il est en train de manger. Et puis, on joue piano. Voilà, on joue c'est piano. Il y a quelqu'un qui a arrêté là, il joue la musique ouais. Live. Voilà. Lui, il mange. Hey il mange. C'est parce que Johnny a été là-bas, il a vu. Comment un noir, tu es en train de manger un foutou, ils vont jouer piano, mais c'est quel genre de caca toi tu vas avoir après? C'est Johnny qui dit ça ici. Je vous dis, après qu'il est à Bolo, vos testicules là, Johnny a ça en main comme ça. C'est parce qu'il est arrivé là-bas, il a vu, il dit, il allait chez quelqu'un, un ministre, un prêtre d'Alassane Ouattara. Quand lui il mange, il s'assoit sur Djumbole là, ça dit c'est piano on joue. Mla, mla, mla. Mlan, mlan, mlan. Et puis c'est Gabi là, vous. Eh, tiens. Bon, ça dit, Johnny, ça là, c'est échantillon d'abord. C'est échantillon d'abord. On le connaît bien. Ouais. Et. Écoutez. Il y a un homme là, quand tu vas chez lui, lui, il a peur de manger. Et puis, on joue piano. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a arrêté là, il joue la musique en live. Puis lui, il mange. C'est-à-dire qu'il mange là. Lui, on doit jouer musique. Mm-hmm. Alors, pourquoi là t'as déjà mangé piano. Voilà, ça c'est dans le temps des tramas. Vous voulez qu'on parle Vous voulez qu'il parle Viens parler. Parce que c'est vous-même qui avez voulu la transparence. C'est vous-même qui avez voulu la transparence. Ah, bah, mais je suppose que vous êtes prêts de la manière dont Dieu au peuple. Il vous a. C'est le temps. Dans ces ceintures-là, ils n'ont qu'à accepter d'aller progressivement vers l'émergence. Ils n'ont qu'à souffrir. Parce que demain, c'est la bonne. Vous, le gouvernement, c'est que vous êtes. Ah, d'accord. Donc, il y a, donc, Johnny est en train de dire, Johnny est en train de dire ici qu'on n'est pas encore émergent. Hein? Écoutez bien. Ceux qui sont partis à l'école là, allez-y chercher vos voisins là. Ils vont venir traduire ce qu'il a dit en français. Écoutez bien. Tu vas chez lui. Lui, il a peur de manger. Et puis, on joue piano. C'est lui qu'il y a quelqu'un qui a arrêté là, il joue la musique en live. Puis lui, il mange. C'est lui pour manger là. Lui, on doit jouer musique. C'est le pogo là. Quand les gens mangent, il n'y a pas de piano. Je ne joue pas de musique. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'il parle? Mais viens parler. Parce que c'est vous-même qui avez voulu la transparence. C'est vous-même qui avez voulu la transparence. Moi, je suppose que vous êtes prêts de la manière dont Dieu peut desserrer les dents. Il y a une vieille vidéo de Guillaume Soro là. Au moment, il était encore avec Alassane Ouattara. Où les gens l'ont fait anniversaire surprise là. Où il y avait un métis qui fumait bouillard, tout ça là. Johnny a parlé de ça ici. Hein? Toi, tu veux devenir président. Et puis voilà ce que toi, tu fais. Hein? Tu fais anniversaire. Hein? Tu envoies les gosses comme ça. Tu as menti. Oui, il faut là les billets. Mais toi, aujourd'hui, là, avec les gens que tu es là, quand ils mangent foutu, Blakali, et ça, on a besoin. Blanc fait rien pour rien. Blanc, là, ici, là, le blanc, souvent, en Afrique, là, on ne voit pas ça. Mais tu vas voir un médecin ici, là. Tu expliques ton problème là, il va te dire non, c'est parce que tu es trop angoissé, il faut souvent sourire, voilà, il faut te laisser aller, tout ça là. Mais peut-être que ce monsieur que tu parles chez lui là, il mange un piano là, peut-être que quand il mange là, ça passe pas. Le médecin lui conseille de dire, ah tiens, faut payer piano. Là, ni quand il y a bas, si là on dit on attend, t'as ton riz couché là, quand tu manges ça là, faut piano là jouer. Là comme ça après tu vas, bon tu vas prendre ça aussi, venir t'asseoir ici. En train de dire que ouais, quand quelqu'un mange dans le gouvernement, dans le pays émergent. Et puis vous demandez aux gens d'attacher ceinture. Allouer piano jouer la demi-coumain.
C'est-à-dire, c'est tilapia même. C'est même pas pomme nourriture même. Tilapia, oh, tilapia, d'où on a piano et joué. Mais nous, on ne savait pas. Je vous ai dit non. J'ai dit, Johnny va sortir avec. Partagez la vidéo. Moi, Johnny, on a bon à aller. Eh, Frafi, il est toi, Mike, c'est-à-dire, enfant de Dozo. Enfant de Dozo qui mangeait dans le noir à l'enfance. C'est lui aujourd'hui, là, quand il mange, là. C'est piano, on joue. Hey! Johnny. Ah. Ils n'ont qu'à souffrir. On... Cette demain sera bon. Ah. Vous, le gouvernement, c'est que vous avez prévu de souffrir le peuple. Ah. Vous allez souffrir, nous. Ah. Voilà. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de souffrir. Ah. Et puis nous, on vit bien. Non, non, non. On doit vivre ensemble pour aller vers l'émergence. Ah. À partir d'aujourd'hui, chers camarades, moi, je serai comme un nègre. Je vais regarder partout. Quand je prends ma caméra aujourd'hui, c'est plus question de favoriser quelqu'un. Le gars, il va plus avoir l'argent. Je ne me paye pas. Venez me dire si vous me payez. Ah, pardon. Quand je prends ma caméra, je ne paye pas. Non, il faut quitter là-bas, là. Non, les gars, attendez, il faut qu'on reprenne la page. C'est-à-dire, nous, hein, Frafi, quand lui mange là, c'est piano. C'est-à-dire, on est foutu dans le pays là. Bon, imaginez-vous alors, s'il danse, quel genre de musique pour manger, piano et jouer. Bon, s'il doit danser ou bien faire l'amour avec sa femme, mais que, ça dit, peut-être même là, au lit même là, il y a des gens là-bas qui attrapent ces reins là, ça dit, il fait rien. À ta fois, il est qu'elle là. Ça dit, toi, tu es en train de manger. Dominique Gallo, piano aujourd'hui, quoi. Johnny est acheté, mashallah. Il est acheté. Ah, mon papa, c'est pas encore fini. Johnny là, il va vous vendre. Et puis Johnny, tu as mal fait, hein? Tu ne devrais pas dire tout ça là. Bah, toi, retour à Abidjan là, ça va être chaud. Hein? Bah, ils vont te laisser pour pouvoir t'empoisonner peut-être. Ils vont te mettre en confiance, mais fais très très attention. Tu penses que ce rôle là, il ne peut pas rentrer? Bah, il sait qu'ils ont mis des poissons partout. Ce rôle peut rentrer, il peut prendre gros cœur. Il peut rentrer, mais si c'est la prison là. Et puis même là, ce rôle là, il ne fuit pas la justice. Il fuit l'injustice. Solo ne fuit pas la justice parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Toi, Tony, même là, tu le dis ici, presque ça lui. Toi-même, tu le dis dans ta vidéo. Comment quelqu'un qui a volé, il est en liberté. Exemple, Gbagbo Laurent, vous avez dit qu'il a volé, il est en liberté. Mais est-ce que ce pays-là, des gens qui ont voulu faire coup d'État, ils étaient 10. Il y a 3 qui sont en prison, condamnés à mort. Et les autres-là, ils sont... Il n'y a pas prison là-bas. Il n'y a pas de justice en chose. Abidjan là-bas. Allons. Vos ministres sont payés. Vos gens chargés de vos communications sont payés. Donc allez les dire. Ils n'ont pas se préparer. Parce que l'adversaire là. Salut le Seigneur. Il s'appelle Johnny Pacheco. Mania Bama. Voilà. Le travail là, c'est la lutte. On va courir. Maintenant, celui qui est fâché. Voilà. Ce qu'il dit là, ça ne te plaît pas. Il n'y a pas de souci. Le jeu était à Abidjan là. Et puis il est venu. Je vais venir. Voilà, donc le jeu est bien à Abidjan là. Faut m'arrêter. Et puis viens me dire, tu as dit ça. Viens répéter ça encore. Et c'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et j'irai en Côte d'Ivoire quand je veux. C'est ça la réalité. Alors, chers Ivoiriens, aujourd'hui là, tout ce que vous devez demander, c'est de regarder vers le droit. Piano. Que nous dit le droit? On vous a présenté un PG. On dit, il y a eu les audits. Ah, tu parles de droit. Audit, là, quelqu'un qui a dit qu'il a volé, sa place est où? Sa place est en prison. Sa place est en prison. Pourquoi Diaby n'est pas arrêté? Pourquoi Diaby n'est pas en prison? Alors s'il n'est pas en prison là, donc il n'a pas volé alors. Donc s'il n'a pas volé, c'est pas cette humiliation là. Humilier comme ça, c'est pourquoi? On peut humilier... Ouais, on peut mettre des gens en prison comme ça, condamner des gens à la perpétuité. C'est quelle humiliation ça? Il a tout donné pour vous. Il a donné sa jeunesse à Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il est en exil. C'est comme ça, l'Italien l'a fait. Tour à tour. Chacun à son tour, c'est le quoi faire, Mamadou. Le renard passe pas. Chacun à son tour. Aïsra bla, soro benana, eh. Aïsra bla, ki bafori benana, sonte salamana, eh. Mange foutou, eh, piano, eh, kawako. C'est-à-dire, André, c'est-à-dire, moi, j'ai déjà vu ça dans un film qu'un prince à New York. Il dit, mes filles.
Un prince à New York, quand lui, la mousseau, le vétal, il la couronne sous nos là. Et puis, obé, c'est les trucs là. Comment on appelle ça même? Fonton à bon. Et puis, il joue ça. Ça dit, tous ces moments. Pourquoi avait Ourou sous nos là? Quand il mange là, et bien, donc, bah, tu vois. Et puis, c'est des pouvoirs. Et on dit, les gens se ressemblent. On dit, les dictateurs se ressemblent. Et il y a un an, point. Dans le temps de Babo Laurent aussi, là, il y a quelqu'un aussi qui jouait piano, non? Il y a un ministre qui jouait, j'ai oublié son nom. Ogalera, Oma, le cœur des Dramans était chaud. Oma, la rébellion des Dramans, battait son plein. Il y a quelqu'un, pendant que les Ivoiriens ne mangent pas, lui dit, ah, j'adore bien le piano. Attends, là, tu n'y sais même pas jouer. Bon, toi, un illettré, un alphabet, notoire. Toi, tu manges un piano. Voilà, violon. Mais merci ici. C'est-à-dire, il est très notoire. Hein? C'est toi là. Être à piano joué, il est quoi? Accordéon, voilà. Avec le nez, accordéon, le violon, c'est la même chose. Et puis ici, c'est les gens même là, les baoulés, les bétés, ça on peut comprendre. Un musulman, bah, ils disent qu'ils sont musulmans. Sinon, quand on mange là, on fait prier d'abord. Et puis, mais au bêta, Sidra, à Guidane, les fous, il est trop gros. Être à guider les fois, il est trop quoi. Comment toi tu peux penser? Comment tu peux remercier le bon Dieu? Ok, vous allez mal tomber. Voilà bien. Et qu'a commencé? C'est-à-dire, votre tombement là, c'est vous-même là. Votre va pousser comme ça un peu. Parce que c'est qui l'envoie au dîner là. Et parce que lui, il a l'abri. Eh, votre, c'est que tu es en train de faire autour de toi là. Tu sais, quand les chiens, quand les chiens se bagarrent là, tu t'assois comme ça là. Tu vois les chiens là, au becré là. Mais on dit, parlable des chiens là. Faut pas dire qu'ils sont loin. Parce que les chiens ne s'arrêtent jamais. En tout cas, en Afrique, pour faire palabre. Et ils se poussent. Et puis encore. Donc, toi, tu les vois là-bas. Là. Ils sont mis. Au moment où tu as ta rencontre là, au Sélikoura en Kaba, ok, t'es bon. Mais Ouattara, tu vas mal finir. On est là. Moi, je ne doute même pas. C'est toi-même là. Tellement tu vas pousser. Il va t'arriver une citine dans ton beau. C'est ça qui va t'arriver. J'ai dit ça matin, non. Pour dire, ouais, les gens qui vont t'attraper là. C'est eux qui vont appeler ceux qui sont dehors qu'on a attrapé Ouattara ici. On est dans la quête. Et ça va arriver. Parce qu'ils mangent. Allons. On peut humilier quelqu'un comme ça, ses camarades. Il faut qu'on se respecte. Hein. Partagez la vidéo. Il faut vraiment qu'on se respecte. Ah oui. Aujourd'hui, il n'y a aucun Ivoirien qui peut accepter quoi que ce soit sans se poser la question. Non. Ah. On va se poser la question. Ah bon? Et sur les détails près. Comment Diaby a géré là du pays? Vous avez fait audit, venez planter son Ivoirien. Le résultat des audits là, on en est où? Venez nous dire, chers camarades, il n'y a pas de souci. On commencera la phase de destruction. Ça facilite la digestion. On va commencer la phase de destruction. Ami de Ouattara. On a un gouvernement qui veut tellement la transparence. Vous voulez la transparence, non? Vous voulez la transparence, non? Il n'y a pas de souci. Et puis, Awa et Oura là. C'est quoi les Zakaria? C'est ça même. Un journaliste, on dit elle est malade. Nous là, nous ne sommes pas les hôpitaux. Partagez la vidéo, hein. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est pas les Ivoiriens qui vont cotiser pour aller la soigner. Donc il faut soigner un roi et un roi. Le faire comme ça là, on parlera. Voilà, on parlait, j'ai parlé fort. Parce que vous voulez la transparence, non? On parlait fort. Tout dernièrement, on me dit, l'État de Côte d'Ivoire a contraté un prêt. Écoutez bien. 1,7 milliards. Ok. Deux aéronefs. Qui vont surveiller la Côte d'Ivoire. Ah, vous avez 1,5 milliards de crédit à prendre pour payer à l'aéronef pour surveiller la Côte d'Ivoire. Mais vous avez donné 175 milliards à la ministre Kadia Camara pour sauver Abobo. Ah, d'accord. C'est le même qui l'a annoncé. Le président Ouattara a donné 175 milliards pour sauver Abobo. 175 milliards moins 8 milliards, il reste combien? Ah, 175 milliards, quel est l'état de Côte d'Ivoire? Qu'on a Kadia Camara, et puis 8 milliards, qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Donc, si on peut donner 175 milliards à Kadia Camara, est-ce qu'on a besoin de prendre crédit 8,5 milliards pour payer les aéronefs? Non, on n'a pas besoin. Si vous prenez crédit là, construisez les hôpitaux. Si on prend 8,5 milliards pour construire un hôpital, pour soigner les Awa et Oura, là, on peut dire oui, on a compris. Partagez la vidéo. On a fait l'affaire du social, là, on est d'accord. Mais on prend 8,5 milliards pour payer les aéronefs. Non, Soro, il est fort. Pour nous surveiller de quoi? Tu ne comprends pas.
Surveillez quoi? Surveillez quoi? Préparez-vous. Audit là. J'ai fait audit à la présidence. J'ai fait audit à chaque ministère. J'ai fait audit à mon pantalon. J'ai dit que dans mon poste là. Quand il dit pantalon là, il dit ça veut dire que dans vos poches. Non. Il faut dire baisement. Ça veut dire que tu es au courant de leur baisement. C'est de ça que tu veux parler, petit. Tu es arrivé dans le pantalon des ministres là. Tu es arrivé dans le pantalon des ministres là. Petit. Obala Gabi Malé. Johnny, c'est vrai, je t'attaque ici, mais tu as fait une bonne vidéo. Je ne dis pas parce que tu as critiqué Ouattara, je suis content, non. Mais tu as joué, c'est aujourd'hui là. Je t'accorde un peu de dignité. Parce que tu as été reconnaissant. Et ce que tu fais pour Diaby Lassine là. Parce que c'est grâce à Diaby, toi, là où tu es là. Maison que tu as aujourd'hui là. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à Diaby Lassine. Tu vois? Donc, comme ne serait là, je suis fatigué. Ou bien vous voulez que je continue un peu? Écrivez si vous voulez que je continue un peu. Sinon, c'est là, c'est vrai, vrai là. Et puis aujourd'hui, là, ma femme est en train de préparer foutu. Hein. Et puis, femme qui va, ça dit femme qui est fan de moi là. Je suis marié. Oh. Si tu m'appelles, je te dis non, bébé, je t'appelle après là. Et si il y a du bébé même. Bon, il y a du go de dehors. Femme ou bien femme de dehors. Je te dis comme ça, je t'appelle après là. Faut pas poser question. Sinon, m'y bloquer. Ah, on ne s'est pas encore vu. Et puis, je ne sais même pas si on se voit, si tu vas être mon goût. Parce que les femmes sur Facebook là, au bec et cagne. Mais quand tu vas les voir dans rendez-vous là, ce qui me fait mal même là, tu leur dis bon, toi aussi. Et puis moi, avant d'aller voir les gars là, j'ai même pas faim. Parce qu'il faut sentir bon. Il faut sentir bon. Tu t'es là-bas même là. Ça va, tu aimes mon style. T'as de quel style? N'y est-il là? Il est très joyeux, il est très brodou, Kana. Et puis tu vois, elle venait beaucoup de poussière comme ça. Elle n'a ici mourir là pour venir bouffer les gens des gens. Ni m'en dit, n'est-ce pas? Donc vous, les gars, là, restez naturels. Hein? Afra poussière, donc là, n'y a là. Quand tu vois d'autres même là, tu vas penser qu'elles sont quittées à Guitry pour venir à Divo. Poussière! Poussière qui est dans leur visage là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre go. Faut jamais prendre go dans bois de nuit. C'est pas bon! Moi, une fois, j'ai parti au travail, j'ai vu une go hein, en été, matin, bonheur. Gars, c'est une donkey, mais nous, on drogue une minène. Et j'ai dit, soit là, non, c'est-à-dire, soit qu'elle a porté là, non, ça pourrait tuer. Je sais, j'ai grillé fait à cause de... ça, je vais jamais oublier. J'ai grillé fait à cause d'elle. J'arrive là-bas, et puis j'ai classé quoi. Je fais, papa, elle était un peu loin. Elle tourne comme ça. Tu vas où? Elle est venue en même temps. Je ne l'ai pas appelée. Hein. J'ai demandé, tu vas où? Pour proposer, je peux t'accompagner. Il a dit, à 3 mètres, non, j'ai grillé en coiffeur. Son visage là. Hein? Ça dit, son visage là, Agna, poitate. Elle est moche. Elle avait beaucoup de fond de teint comme ça, Agna là. C'est comme ça, vous blaguez les gens. Déjà, ce que les gens font avec vous là, c'est péché. Dieu n'aime pas. Et encore, parce que, bon, je n'ai pas parlé de ça. Et ça dit, quand il y a péché et puis il y a péché. Quand tu fais, moi, à mon avis, hein, bon, ce n'est pas Dieu qui a dit, hein, mais c'est ce que je me dis. Parce que ici, là, je prends un exemple ici. Quand il y a un braqueur, là, ou bien un grand voleur, quelqu'un qui a détourné l'argent, là, remarquez bien, c'est la gendarmerie qui va te chercher à la maison. Mais celui qui vole portable ou bien 200 000 euros, là, c'est la police, on vient t'attacher à la maison. Et quand la gendarmerie vient là, jamais ils vont te brutaliser. Ils vont parler avec toi doucement, doucement. Et puis, vous allez partir. Donc, je me dis quoi? Garçon qui va chercher femme. Toi, tu vas pas. Parce que moi, c'est que voilà. C'est pas dans le courant, mais ne bon, le faut là quoi. Par exemple, je prends l'exemple déjà ici. Bon, imaginez-vous, moi, Amiral Blendé, j'ai. Haram, ça fout là, j'ai touché du bois. Je sois avec une go. C'est-à-dire, quand toi-même tu vois go là même là, hein? Non, c'est-à-dire, tu es dépensé, beauté même peut-être. C'est-à-dire, ça peut tuer ça. Bon, je sois avec ça là. C'est-à-dire, péché de ça là. Et puis, quelqu'un qui va aller coucher avec Naounou Gouza. Go qui a Narine André Fenêtre là. Naounou Gouza qui fait vidéo pour RIDP là. Elle là, tu couches avec celle là. Et puis, tu couches avec une go, une freestyle là. C'est pas même péché, Dieu va te donner. C'est pas même péché. Parce que quand Dieu me va dire, ah, petit la pourtant, j'ai dit, faut pas. Il a fait quoi? Non,
Ya Allah, il a couché, c'est passé, c'est en arabe. Et puis l'ange l'a dit, Ya Allah, il a. Bon, laisse ça là. Et puis il m'a dit, bon, il y a l'autre, il m'avait écrit. Quand il dit, quoi qu'on oh, y a celui qui a couché avec Onanou Gouza. Hey! Dieu m'a dit, il faut écrire beaucoup. Faut prendre pour toi, Madou là, tu mets dessus. Péché ça là. Il va mettre dessus et puis il va écrire gros. Donc quand tu fais les trucs là, il peut prendre que là comme ça, demain là, tu vas pas regretter. Mais toi, tu t'as cherché une vilaine femme. Comme le Naonou Gouza comme ça là. Mais péché de ça là, Dieu va jamais te pardonner. Parce que c'est un foutaise. Alors, souvent je vois des photos, j'enregistre, non. Alors, je vais vous montrer une. Non, alors, allons. On ferme les audits. Parce que trop c'est trop. On peut pas se foutre des gens. Partagez la vidéo. Jabi, c'est pas un plaisanteur. Jabi, c'est jamais un plaisanteur. Diome n'est pas un plaisanteur. Il a trop donné pour les RGP. Voilà. À un moment donné, où la candidature du président Ouattara avait été contestée, un par Macron lui-même, un par la communauté internationale. Hein? C'est les Diaby là qui sont allés à Paris. Et puis ils ont montré à Macron que ici là, la légitimité là, c'est le RHCP. Vous comprenez? Hein? Vous dites que Diaby donne l'argent. Mais vos militants là, ils ont fait. C'est vrai. Vos militants ont fait. Ouais, nous, c'est on eux qui font vidéo charge aussi Paris d'argent. Mm-hmm. Ils sont pas. Diaby n'est pas peine quand vos ministres sont autour de vous là. Mm-hmm. Les ministres peignent à. Voilà. Ce qu'il a dit là, est-ce que vous avez compris? Ok. Il dit, vos militants ont fait. Diaby n'est pas peint. Parce que Diaby s'occupe de lui. Lui, Johnny, là. Il s'en sort bien avec Diaby. Les autres, là, vos ministres qui sont autour de vous, là. Mais quand il dit vos ministres qui sont autour de vous, là, vous, là, c'est qui? Dites-moi, répondez, s'il vous plaît. Vous, là, c'est qui? Quand il dit vos ministres qui sont autour de vous, là, c'est de qui il parle? Aïssa Baré Asebe. Non, ma sœur, il y en a train de partager la vidéo. Asebe, sinon, je vais couper la vidéo, là. T'as eu un coup d'abla, ça. Il y a des gens qui ont fait trop, qui ont commencé à dire qu'il y a des gens qui ont répondu. C'est vrai, à Mousso Kelchekdou, à Kananine, les vilaines femmes là, laissez. Mais il paraît que, bon, comme moi, je n'ai pas encore une vilaine femme, sinon il paraît que, elle connaît le truc là. Voilà, c'est Ouattara, non? Merci beaucoup, Sendou, merci beaucoup, Serge. Tu vois, donc quand il dit ça là, il parle de Ouattara. Alassane Ouattara, Yves, merci. Il parle de Ouattara. Donc, dans la vidéo là, c'est Ouattara même, il est en train d'attaquer comme ça. Gloria, merci. Là, là. Diaby n'est pas comme ça. Si Diaby était peint avant, les gens n'allaient pas sortir à Paris. Ah, d'accord. Les gens n'allaient pas sortir. Mais c'est parce qu'il a la main sur le cœur. L'argent que Diaby prend là, il ne prend pas pour aller construire sa maison. Il prend pour aller travailler pour vous. Pour pas partir le RGP. Pour votre parti. Les tablettes qu'il a payées, pour donner aussi dans le militant là, c'est pas ses enfants qui a donné les tablettes. C'est le téléphone iPhone qu'il a payé là, c'est pas ses enfants qui l'a donné. Il a donné ça à vos militants, pour qu'ils communiquent pour vous, pour qu'ils fassent des vidéos pour vous. Et c'est vous aujourd'hui qui allez venir parler de Diaby au ciné. Je suis désolé, je suis désolé. Vous là, au nom de Dieu, vous le dites, franchement, ça là, on s'est laissé en même temps. Voilà, on s'est laissé. On s'est laissé en même temps. Il dit n'est plus dedans. Mon vieux, le ciel lui jusqu'à la gare. S'il a volé, venez nous dire qu'il a volé. S'il a trahi, venez nous dire qu'il a trahi. Voilà, et là on est d'accord. Parce que les voleurs là, on commence par vous. Commencez par diminuer vos cortèges là. Vos véhicules là, commencez par diminuer. Parce qu'on va faire l'audit aussi. Le point de chaque véhicule, c'est un pays qui a voilà. Et puis un pays occidental. On va comparer. Un ministre ici là. Voilà. Quand il sort de son lieu de service, quand il va à la maison, il a combien de véhicules? Il a seulement sa voiture à lui. Soit voilà. Il va à vélo. Métro, Stéphane, là, salut. Mais c'est vous là, vous qui parlez de corruption. Diaby a volé tant. Diaby a fait ceci. Vous avez 7 voitures. Voilà. 10 voitures. Une voiture coûte au moins 100 millions. Dans un pays où on demande au peuple d'accepter de souffrir, on va aller vers l'émergence ensemble. Ne vous foutez pas de notre intelligence. Ne vous foutez pas. Dramat, ça, là, hein. Ça là, c'est mon travail. Parlez là. Les gens ne savent pas faire ça. Non, non, non. Quand on parle de phase de destruction, de déconstruction là, c'est mon domaine. Voilà. Donc, que ce soit vous, que ce soit l'opposition, que rien ne fait de tout le monde. Et puis on parle là. Bien, nous, on n'a pas besoin de toi dans l'opposition. Tant que le peuple de Côte d'Ivoire, tant que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas venu s'asseoir pour nous présenter les audits, pour dire que Diaby a volé, on comprend que c'est les ingrats. Non, c'est fini. C'est les ingrats. Témo, ils sont méchants. Léon. Voilà, fini. Ils sont méchants. Ouattara est ingrat.
Votre... Feu, comment on appelle ça? Votre ingrat. Le premier ministre, Amadou Gomes, il soit ingrat. Il doit se retourner sa tombe. Vous êtes méchant. Votre est méchant. Voilà, vous êtes deux. Non, on le dit, on le dit. On va jamais laisser ça. Jambi, on est à lui. Il faut comprendre ça. Ils vont le mettre en prison. Il faut parler comme ça. Pas d'oser. Ça, c'était la première vidéo. On appelle ça entrer en matière. Entrer en matière. Il y a tellement de choses à dire. Comment il vient et puis il parle en bien du président. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Parti au pouvoir. Je n'ai pas venu ici pour créer des fossés pour que l'opposition frappe dedans. Non. Je ne peux jamais faire ça. C'est ce que tu as fait. Mon rôle, là, c'est de protéger Alassane Ouattara. Peu importe ce qu'ils ont dit. Bah, il finit de... Mon rôle. Il mord Alassane Ouattara et puis après, il dit, ouais, c'est de le protéger. Vous n'êtes pas atteint Alassane Ouattara. Mais je vais vous démontrer que ce que moi, j'ai construit là, moi, j'ai peut-être construit ça. Ah. Et puis, il a fait ça propre. Ah. Voilà. Mais dans la politesse, dans la discipline. Voilà. Chers camarades. Il a peur. Il dit, dans la politesse et dans la discipline. Il veut se rendre à Mounia. Toi, tu n'as jamais respecté quelqu'un. Tes parents, même là, ils t'ont appelé au secours ici. Tu as dit qu'ils n'ont qu'à rester là-bas. Qu'on la plus va les taper. Toi, tu as dit ça à tes parents. Petit bâtard là. Nyemorodine là. Kinebouba, Kinebou là. En politesse et dans la discipline. Portez-vous bien ça, comment tu as dit parti contre le Dieu. Yasmine, c'est salut. Ça, c'est la première phase. La première phase. On parlera chaque jour. On parlera chaque jour. Et vous voulez voir son visage? On va parler de corruption. On parlera chaque jour. En tout cas, force à Jabi la Chine. C'est une foutaise. Il est fâché. Il est fâché. Il n'y a aucun warit. Ils ont coupé son argent, il est fâché. Vous voulez qu'on parle, on va parler. Voilà. Il n'y a même pas de soucis. On va parler. Voilà, parce que pour vous, l'honneur de ma famille. Vous voyez, les gens que vous entretenez ici, là, ils sont nombreux là. Johnny sait beaucoup de choses, hein. Mais Alou, moi l'état allé au RHDP là. Moi, Brebretaille. Alors. Ma femme et moi, on a été humiliés. Il faut quitter là-bas. Il était mort, monsieur Nene. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il me taise. Mais on va plus se taire. Voilà. Vous-même là, vous avez été les premiers à m'insulter hier. Vous m'avez agressé, poignardé, 8 coups de couteau. Voilà. C'est pas le FPI. Ça. Ouais. Que ce soit du côté de Go, que ce soit du côté du RSDP, vous-même là, vous avez été les premiers à m'insulter hier. Vous m'avez agressé, poignardé, 8 coups de couteau. À Paris. C'est pas le FPI qui m'a agressé. C'est vous qui m'avez agressé. Voilà. C'est vous là qui m'avez agressé. Vous pensez que c'est pas vous qui m'a agressé. Voilà. C'est ça qui m'a agressé. C'est vous qui m'avez agressé à Paris. Un coup de couteau dans mon corps. Moi, je suis habitué. Et puis, il ne s'agit pas de dire non, Ouattara, sur Facebook. Non, non, non. Mets ta caméra. Viens parler de nous. Mets ta caméra. Viens parler. Tes commentaires là. Les gens, on s'en fout de tes commentaires. Nous, on parle. Nos vidéos vont loin. Il dit c'est RIDP qui l'a poignardé. C'est pourquoi il a insulté la maman d'Alassane Ouattara. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Voilà, appelez les pompiers, la vidéo est trop bien. Arrête de jouer musique là. Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Voilà, la Sénat d'Abi, c'est Dieu qui décide. Voilà. Voilà, c'est ce que nous on veut. Ça dit, nous on te fait comprendre pour dire c'est Dieu qui décide. L'avenir de Guillaume Soro là, c'est Dieu qui décide. C'est pas Moshi Draman. Moshi Draman, non. Allez, testez. Je suis là, j'étais dans la rébellion. Okay. Voilà. Il dit Draman va être un tas de poussière. Tout est vanité. Vous êtes un tas de poussière. Ça, il faut retenir ça aussi. Chaque jour que Dieu fait là, le monde a ses offices. Les gens meurent seulement. Il n'y a pas eu longtemps, Charles Conan Bani est décédé. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, en Paris, là, lui qui avait accueilli mes agresseurs. Voilà, il est rancunier. Hein. Voilà, donc les gens meurent. Les gens meurent. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers camarades, j'aimerais dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est une question de logique. Voilà. Et je suis tellement heureux
Parce que pendant un pouvoir qui nous fait croire que lui, il est venu pour travailler dans la transparence. Qui nous fait croire que lui, le pouvoir là, qui détient le pouvoir, troisième mandat là, c'est pas Alassane Ouattara, il fait croire aux gens, ça veut dire, quand quelqu'un te dit il fait croire, ça veut dire qu'il te ment déjà. Donc il dit c'est que vraiment Ouattara c'est un menteur. Mais nous on le dit il y a longtemps. Il est venu pour faire l'audit, pour faire le point, pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas de souci. Moi-même, Johnny, je suis d'accord avec ça, il t'accorise avec ça. Lutter contre la corruption, il n'y a pas de problème. Mais on va lutter contre la corruption dans tous les secteurs. Voilà. Voilà. On ne va pas faire une lutte sélective. Non, 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 on ne va pas cibler des gens pour aller dire qu'on lutte contre. Non, 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 non. On va faire, on va lutter contre la corruption ensemble, dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Dans tous les domaines, y compris à la présidence. Voilà. On va lutter contre la corruption. Donc, moi, je suis d'accord. Parce que ça, au moins, ça a été. Voilà. Lui, le président, veut lutter contre la corruption. On va lutter ensemble. On va l'aider à lutter contre la corruption. Voilà. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, j'aimerais vous dire que moi, Johnny, là, j'ai tout essuyé. Non, il est vendu. Il est ceci, il est cela. Mais, au titre, là, c'était le point. Zimo. C'était l'occasion de nous démontrer. Et Johnny, voilà, voilà, voilà. Mais il n'y a rien eu. On attend toujours, on ne voit pas. Maison de Johnny, là, il continue de rembourser à la banque chaque fin du mois. Il va rembourser jusqu'en 2044. Mais on continue de dire que Johnny a volé, que Djabi lui a donné. Djabi a fait ceci, Djabi a fait cela. Partagez la vidéo. Fallait pas réveiller un lion qui dort. Hey, Fallait pas réveiller un lion. Le lion de Tiba Tiba. Mais je pense qu'on se connaît déjà. On se connaît déjà. Aussi long. Et d'autres, il y a un gars qui a fait un commentaire hier. Je vais rapidement commenter ça. Quand j'ai dit que si j'ai pas eu peur hier de dire mes vérités à Solokion, au président Ouattara, au président Bédié Babou, c'est pas aujourd'hui là qu'il y a dit, qu'il y a avoir peur de dire quelque chose. Et quelqu'un me dit, non, hier tu n'as pas dit la vérité à Ouattara, tu as insulté Ouattara. Cher camarade, allez regarder mes vidéos. Allez regarder mes vidéos. Ouais. Moi, je suis parti aussi cohérent. Ouais. Que ce soit quand j'étais au RHCP ou quand j'étais dans le, comment on appelle ça, dans l'opposition. Je suis cohérent. En dehors des injures d'après vous là, allez écouter mes vidéos. Les messages que j'ai dit. En dehors des injures, allez écouter. Vous parlez de quoi vous? Ne vous pressez pas. Vous voulez la discipline, non? Vous voulez plus qu'on insulte? Je vais pas insulter quelqu'un. Je ne vais même pas insulter quelqu'un. Mais la vérité là, je vous dis ça. Voilà. Portez-vous bien ça, les camarades, de partir contre le MPA. Aussi les morts. Ciao, ciao. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec. Il m'appelle Namramagne. Altron Bakono, non? Namramagne. Tu as dit que combine n'est pas bon. Combine Namramagne. Je m'appelle Nakajeria, quoi, ils ont peur. Hey! Non, tiens, Allah qui a craqué, quand il faut qu'à demain. Allah qui a craqué, quand il tourne. Partagez la vidéo. Aïe, Mourou Kaseya, le Negadjuru. Le Negadjuru. Johnny, vidéo là, j'ai déjà enregistré. Ce que tu as dit là, Guillaume Soro a dit qu'il va faire à soi, Draman Paté. Tu as vu? Il a fabriqué en même temps que Guillaume Soro voulait le renverser. Donc toi, tu as dit que tu vas aller faire audit chez lui là-bas. Ta vie est dans ta main. Dieu te confie ta vie à toi-même. Ta vie est dans... Toi, ta bouche là. Toi, tu bouffes l'argent. Il est là à Djoumani. Vous bouffez l'argent du... du monsieur. L'argent du monsieur, vous bouffez. Tu vas fournir GPS. Vous bouffez l'argent du monsieur. Et c'est vous qui allez sortir. Hein? Si le président me dit d'aller là-bas, je vais lui rendre ma démission. Toi, tu as venu traiter Alassane Ouattara aujourd'hui encore de faux type. Hein? En tout cas, il y a deux choses. Si tu arrêtes, et si, salut, si tu arrêtes, comment que tu as commencé là pour défendre Djabi Lassine là, tu es dans la vérité. Si tu arrêtes, c'est que tu suis ton ventre. Tu n'es pas honnête. Bon, on sait déjà. Mais, si tu continues, ça veut dire que tu es dans la vérité. Si tu arrêtes, ça veut dire que tu protèges ton ventre. Ta maison là, il dit, tu vas chercher CDI. Tu vas devenir éboué dans le pays là. Moi, quand je viens, je parle avec l'année. Attaquement. Bon, allez. N'y en a blanc, non? Je vais vous laisser, allez. J'espère que vous avez... vous ne m'avez pas répondu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous voulez que je vous parle en espagnol? Blendé, tu parles beaucoup d'air.
Regarde comme je suis étouffé même. C'est Martinez. C'est le du pays, ils ont bouffé. Voilà, bilet. Johnny a dit quelque chose pour ceux qui viennent d'arriver là. Quand il y a un ministre de Ouattara, quand il mange là, c'est piano, on joue. Puissant, pas Pungé ou bien quoi là. 16 commandos sous l'Ouat. Merci beaucoup, Kibafouri. C'est ça, la musique Djala. Donc, le banao, vous voulez que je chante pour vous? Ah, merci, merci, merci. Merci, vous êtes gentil, hein? Merci, merci. Sarkozy, voleur, là, il est ici. Macron, c'est un président truand, lui, là. Draman, le grand frère de Draman. Ah, ouais, dis quoi? Diallo, ok, il n'y a pas de là, on est ensemble. Donc, comme tu as aimé, là, faut pas danger. Si ça te met pas en danger. Merci beaucoup, merci, hein, merci, hein, Mac, merci beaucoup, merci à tous, hein, merci, merci, je vous remercie, là-bas. Amina Arabi Moumouni, Mundera, Alex, Soro, Gaussou, Makoul, ok, je vais vous laisser, il y a une go qui passe là, mettez à moi. Ici, là, les enfants grandissent tellement vite, ça fait que dans le quartier même, là, j'ai arrêté de draguer. Si tu vois les camarades de mes filles, là, au Béka, donc quand je vois Gomez dans mon quartier même là, et puis j'ai arrêté même de draguer même. Tu n'as pas 52 ans l'anti-draguer. Et toi, de nous de draguer. Oui, tu es le papa d'une tante. Hé! Hey, faut quitter ici! Voilà, casse! Ok. Donc, le go là, si tu as moins de 40 ans là, faut même pas y vivre Brana quoi. Voilà, faut même pas y vivre Brana. Enfin, moi, c'est les. Voilà, ce que nous avons les gars dit. Quand il m'a dit. Tu n'as pas 50 ans, tu breguais. Ah! Qu'est-ce qu'un breakage, il y a? Et puis les petites filles aujourd'hui, elles vont te faire dépenser pour rien. Pourtant, les tantis là. C'est pourquoi, quand une femme chasse son mari là, moi je suis content. Parce que je sais que ça là, c'est Jubilé qui est là, il est attrapé après. Parce que, elle va être. Vous là, continuez à chasser vos maris à la maison. Hein. Vous allez voir, on va vous prendre ici comme terrain d'entraînement. Mais nous, vos kek benen, les petits là vont venir s'amuser dans l'île et puis après ils envoient, ils prennent ton argent à Bétara. Allez, continuez. On peut, oui. Et puis elles ont tous raison. Quand tu oui, tu sais, hein, j'ai 5 enfants, mais le monsieur là, il n'était pas bon. Il est rentré, il est aujourd'hui ici. Et le monsieur n'était pas bon. Bon, toi, tu es devenu Yokoyama de Chine. C'est-à-dire, entraînement, qu'il y aura le Vénaki. Donc, c'est pas bon. Hein? Parce que, garçon qui a venu te blaguer là, il ne pourra pas faire mieux que ton mari. C'est parce qu'il veut goûter la viande. Non, t'es Love Gugu. Hey, j'ai rendez-vous avec Love Gugu même. Dans le musée, là, j'ai eu femme comme ça. J'ai eu femme. Il y a un Love Gugu fait. Le jour, je vais là-bas là. Je dors là-bas en même temps. Que vous allez entendre l'écho de ça matin. Amé Robé, Amé Soumier Benjamitié. Maintenant, on va dire, ah, la page. On sera à la page, j'ai pas dit l'appement, hein. On sera à la page du matin. Tellement on va dire, la paix. Hé, hey, Love Gugu. Non, elle est cool, hein. Voilà. Dans maintenant, on voit Love Gugu. Moi, j'ai causé avec elle, là. Je sais qu'elle est. Non, Love Gugu. Monsieur Nyama. Ce qui me plaît, c'est qu'elle a barbe. Hé! Hey! Ça, là, tu passes à ça. Les gens vont te respecter. Monsieur Bomoshima. Ah. Et puis elle est là, elle s'appelle le père, moi il m'appelle le père. Le père et le père. Hey, elle s'est gâtée dans Paris là. Love Gugu, on est ensemble. Bon allez, assalamu alaikum.